Bonjour à tous, aujourd'hui encore on va jouer à Europa Universalis 4, on va continuer notre partie avec l'Espagne. Avant ça je vais remercier Tom HNT pour le follow, merci beaucoup à toi et bienvenue. On a installé, enfin j'ai installé deux modes graphiques, Bigger UI, donc qui fait que par exemple ici l'interface est plus gros, et pareil pour les guerres, les trucs de paix c'est plus gros, donc c'est plus facile à lire, c'est moins le bordel. Et aussi Imperial Graphics Fixed Font for Vanilla, donc qui fait que sur la carte, les pays qui apparaissent, c'est beaucoup plus lisible. Les frontières aussi sont en gras, donc on voit beaucoup plus où sont les frontières des pays. J'avais hésité à le mettre parce que je suis sur Epic Game Store, donc c'est la merde. J'ai galéré comme un russe, c'est pour ça que je commence le live un peu plus tard, mais j'ai finalement réussi à faire ça, on va voir si ça va ou pas. Ça bug pas, mais en tout cas on voit plus les frontières. Par exemple la frontière entre le Mexique et la Louisiane, on la voyait pas du tout, et maintenant on la voit. Donc voilà, et on voit mieux de plus loin. Donc ça va déjà faire ça. Donc ce qui se passait la dernière fois, c'est qu'on avait intégré Naples avec la succession. On avait pris Gênes et tout, quelques petites guerres en Italie. Donc on était bien, on était toujours pote avec la Pologne qui avait absorbé l'ordre teutonique au nord. Par la guerre, et ils viennent de déclarer la guerre aux Ottomans. Donc on était au début de la guerre, et va falloir essayer de leur casser la gueule. On est beaucoup plus nombreux sur le papier, mais on n'est pas à l'abri que nos alliés fassent n'importe quoi et qu'on se fasse éclater. Donc on va essayer de s'en sortir, et de s'en sortir aussi d'un point de vue navy. Parce que là on a la navy, mais bon, on sait pas trop comment ça va se passer. Eux ils sont amarrés ou pas? On va voir, on va continuer, les maires aussi ont changé de gueule, donc tout est un peu différent, mais c'est pour plus de lisibilité, on va voir si ça va. Vous, qu'est-ce que vous faites? Allez ici, allez intercepter la flotte ennemie qui est en train de se balader, la flotte marocaine. Nos troupes sont en train de revenir vers chez nous. C'est bon, on a explosé la petite flotte marocaine. Il y a une grosse flotte ottomane à l'autre bout du monde, mais c'est beau mais c'est loin. On va voir. On va recruter un général de plus. Je crois que j'ai encore de la limite. Ouais, il m'en manquait un. Donc c'est bon. Et toi, pour l'instant, tu vas te réparer. Et on va voir si on peut pas améliorer notre flotte pour être bon. On a récupéré un commerçant. Est-ce qu'on va le reperdre dans 2 jours? Spoiler alerte, c'est oui. Je voulais faire quoi? Oui, mettre mon commerçant. C'est doit être encore celui de Moluque qui s'est barré. Enfin, de Malaka. Qui meurt en poule toutes les 2 minutes. Donc bravo. Je sais même plus s'il fallait faire ça ou l'autre. La Moluque, ouais, la Moluque on prend pas non plus. Donc oui, il fallait bien collecter. Ici, qu'est-ce qu'on peut prendre? Durée de voyage des émissaires et moins d'aspiration à liberté pour nos dépendances. Ça peut être intéressant plutôt que d'attendre ici qu'on est trop en avance pour nos technologies diplomatiques. Donc let's go. Et on veut le dernier point pour avoir plus 100% de limite des forces terrestres grâce aux vassaux. Donc ça c'est OP, on permettra de passer d'une limite de 230 à probablement 400 voire 500. Donc à ce moment-là on n'aura plus de problème de limite de flotte, enfin d'armée, pas de flotte justement. La flotte on l'a déjà augmenté la limite, maintenant on est à 265, grâce aux vassaux également. Les galions, ça change quoi ces galions-là? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial par rapport aux galions normaux? Ah oui, ils ont domination des mers. Plus 10%. Non, pas du tout. C'est les mêmes. Par contre, les caravelles, on les a pas encore et on les a là. Ça a l'air d'être mieux les caravelles que les vaisseaux légers. Par contre, les galions... Ah si, combativité des vaisseaux lourds, plus 10%, et taille de la coque, plus 10% aussi. Qui sont un peu plus puissants et un peu plus résistants. Ces vaisseaux-là particuliers. Et les autres ont plus de canons. C'est des vaisseaux légers. Vaisseaux légers, c'est pour le commerce. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, intéressant. On va faire des vaisseaux lourds. On va faire des vaisseaux lourds. On va agrandir notre flotte. Pour affronter la flotte ottomane. Donc normalement j'ai aussi des troupes voilà, qui vont par ici, qui vont aller aider les petits potes.
Venez aider à capturer les petits territoires ici, vous, maintenant que vous êtes proches, parce que si je faisais l'ordre en étant trop loin, ils seraient retournés en Italie dès qu'ils auraient fini leur mission. Madbourg veut une alliance. On a un slot. Madbourg, ils sont où, Madbourg? Madbourg. Ah, c'est beau, mais c'est loin, hein. Donc, tu veux une alliance, peut-être, mais nous, on veut te vassaliser plutôt que t'accepter. Donc, non. Ça ne nous intéresse pas du tout. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils nous proposent une alliance alors que nous sommes en guerre. Visiblement, tout le monde s'en fout qu'on soit en guerre. Visiblement, ouais, il y en a qui sont pas contents parce que je suis en guerre, mais pas toutes. Ok. Je peux être ami avec le pape, mais moi, je veux vassaliser le pape. Non, le pape, on peut pas le vassaliser. Mais voilà, quoi. Donc, il y en a plein qui veulent être mes alliés. Et y compris Brandebourg. Bah, Brandebourg, c'est bien, mais bon. Voilà, quoi. On n'en est pas là. Par contre, j'aimerais bien vassaliser un autre gars. Si c'était possible de vassaliser, mais vu qu'on est en guerre, on peut pas. On pourrait préparer le terrain. Le problème, c'est que là, c'est plein de pays d'Amérique. J'allais dire amérindien, mais oui, c'est plutôt ça. C'était bon. Donc, ça nous intéresse pas trop. Ou des Aztèques et tout, mais bon, pareil, hein, on va les bouffer, c'est tout. L'Écosse, bof. Et dans les pays qui hésitent un peu, il y en a. Bali, c'est ballot. Pour l'instant, à la limite, eux, Augsbourg, mais non, on verra. On verra plus tard. Pour l'instant, on est en guerre. Donc, faisons la guerre pendant qu'on colonise. C'est déjà bien. Oui. Donc, nos armées, là, ils vont prendre les territoires pendant que les autres le font aussi. Nos flottes doivent être positionnées. Qu'est-ce qu'il y a? Les croisades, oui. On a des bonus parce qu'on est en train de faire une croisade vu qu'on est en train d'affronter les Ottomans. Et vous, vous êtes super mignons, mais... Bon, on peut les laisser là, hein, cela dit. Ils nous servent à rien, mais... on va rejoindre avec une autre troupe. Pourquoi vous mourriez en poule? Parce qu'il y a une armée alliée qui s'est mise au même endroit que nous? Tout à fait. Il y a un endroit où on peut... Ouais, ici, on peut accueillir plus de troupes. Donc, on va se mettre ici, plutôt. Ces troupes-là, elles servent en cas de rébellion, ici, du Pérou, parce que le Pérou vient de le conquérir, donc... on va pas être content. La première flotte... Ah, ça, c'est la flotte de Naples qu'on a récupérée. Donc, il faut la faire fusionner avec notre flotte principale pour avoir une flotte de combat immense. Nos autres flottes de commerce, elles sont en pause. C'est normal. Et les armées se dirigent vers le Maroc. Cologne veut une alliance. Non, mais Cologne, Cologne, t'es super sympa, mais toujours pas. Hein. Toujours pas, hein. Nous intéresse pas vraiment. Ça y est, on commence à prendre des territoires des pays des Balkans. Pas Baltique, Balkans. On peut construire. Est-ce que ça intéresse de construire chez lui? Et il a déplacé Stone Age ici, lui. Vas-y, on va faire ça pour l'aider. On est super sympa. Vas-y. Nos troupes commencent à arriver ici. Compris eux, qui sont extrêmement nombreux, qu'il faudra diviser. Diviser pour mieux régner, parce que là, ça va pas du tout. Ils sont trop nombreux. Donc ça va pas aller. Ils sont combien, là? Si j'en remets 10 canons. Ouais, j'ai pas le pognon. Donc, on va attendre d'avoir du pognon. On va attendre d'avoir 300 balles pour faire ça. Oui, on continue de prendre les territoires, on convertit, ça c'est bon. Nos bateaux sont réunis, donc là on a une flotte conséquente. Est-ce qu'on n'irait pas rendre visite aux flottes ici, pour essayer de protéger les côtes des Balkans? Avec notre super flotte, avec deux vaisseaux amiraux. pas d'excès, évidemment. Oui, la colonisation, ça continue. On a bientôt nos 300 balles pour faire les canons. Ils sont les bateaux. Ils y vont. Bon, je vais même mettre un peu vitesse plus lente, et puis comme ça, on verra mieux.
Donc les bateaux s'y rendent, ils vont intercepter la flotte ennemie, une partie. On a capturé 3 navires ennemis en coulant 17 navires de commerce. Donc ça c'est bien. Et mon... C'est lui ? Ah oui. Mon commandant Claudio Cortés a gagné un bonus pour les galères. Quelles galères ? Et donc les galères, c'est les petits bateaux qui sont chargés normalement de combattre en eau peu profonde. Ici, il y a encore des vaisseaux de commerce. Visiblement, ils se battent avec des bateaux de commerce, ces idiots. Vous allez ici, hein. Et on va essayer de prendre le Maroc. On va aider les flottes alliées ici. Voilà. On a capturé encore 2 bateaux, même si on a perdu une galère. Mais c'est probablement mon allié qui l'a perdu plus que nous. Donc on va aller se réparer. Et on va dire à eux de commencer les conquêtes en mode automatique. Et on surveillera. Voilà, ça sera déjà très bien avec ça. Vous, pareil. Mode auto. Ça, ils iront tout prendre. Si jamais on oublie de leur donner des petites missions. Et vous, pareil. Pareil, les gars. C'est le même tarif. Voilà. On a ce qu'il faut pour nos 10 grosses bombardes. 2, 3, 4, 5. Après, je peux voir ici en bas combien j'en ai produit. Voilà, 10. On peut même passer à 14. Comme ça, on aura 2 groupes de 12 d'artillerie. Et c'est pas mal. Oui, plus de pognon. Nos bateaux sont pas finis d'être réparés. On est en train de récupérer les territoires et d'augmenter le score de guerre. La flotte ottomane est ici. Le golfe de Syrie et tout, par là. Voilà, ici. En mer ionique. Enfin, ionienne. Pas ionique. Pas du tout la même chose. Cortis. Non mais on va pas s'allier avec vous. On veut vous casser la gueule. Par contre, vous pourriez vous sortir les doigts. Ça aurait été pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas déclarer les guerres au Mexique en attendant? Avec nos gens qui ne foutent rien sur l'autre continent. Est-ce qu'il y a encore des révoltes au Pérou? Non, ça c'est pas du tout au bon endroit. La nouvelle grenade. Comment ça ils ont une révolte? Pas clair. Ici c'est le Mexique, donc on s'en fout. Ah, le Pérou, il y a quand même une révolte qui va éclater encore. Donc il faut qu'on garde encore une troupe, malheureusement. Il va bien y avoir encore un moment où ça va péter. Oui. On continue de prendre les territoires. L'armée ennemie est à Constantinople. Donc c'est ok. Pendant ce temps-là, nos potes ont pris toute la Russie. Bravo. Et on a fini de coloniser ici. Donc ça c'est bien, parce que ça fait que notre compagnie commerciale devient plus puissante. Et donc elle vient de nous donner un commerçant, visiblement. Que la Sibérie, panier commercial, pas du tout. C'est pas du tout lui. Eh bah super. Quand même une compagnie. Donc on a quand même un commerçant de plus, donc on va pas se plaindre. Raguse. Bof. On pourrait transférer, mais c'est peut-être pas le plus important. Champagne, il y a beaucoup de pognon, mais on a aucun intérêt dessus. Le Congo, ça y est, on peut y aller? Intéressant le Congo, parce qu'on pourrait revenir en Côte d'Ivoire après. Le Congo, ça m'a l'air bien. On va transférer la puissance commerciale du Congo pour récupérer ce qu'on veut. Est-ce que je peux améliorer mes trucs ici pour le Sibérie orientale? La puissance commerciale locale, par exemple. Ah oui, il y a deux trucs. Il y a deux terrains. Deux territoires. Arrête avec les zooms. C'est bon, on avance. Encore, cocon. Cocon, c'est con. Mais c'est non. Continue de prendre les territoires pour faire du score de guerre, pour faire en sorte que notre allié nous donne des trucs. On a dit qu'on voulait le Maghreb. Donc peut-être que si on gagne, on aura le Maghreb. Peut-être. Parce que l'IA, on le connaît. Puissance locale de commerce, oui. Et ça... Comme ça, ça sera pas mal. On n'a pas encore assez pour avoir un commerçant de plus, mais c'est ok. Pour l'instant, les armées ennemies ne sont pas là. Elles sont aux toilettes. Et bah super. On a des bateaux de commerce ici qu'on va aller déplacer pour qu'ils rejoignent d'autres bateaux de commerce. Par exemple ici.
Voilà, comme ça ils vont fusionner. Fusion, yeah. Et ils seront plus nombreux, donc plus puissants. On pourrait les améliorer, nos bateaux. C'est vrai qu'on l'a pas fait, ça. Donc on est encore avec des vieux bateaux. Il me faudrait 1000 balles pour améliorer ces bateaux-là. De gros bateaux de guerre. C'est peut-être pas le moment de les améliorer en pleine guerre. Donc on va plutôt attendre hein, pour les bateaux de guerre. Gêne, mauvaise opération commerciale, on a perdu du pognon. Fin de la trêve avec la Bohème, le Cologne et tout. Avec Bad veut une alliance. Ok. Là, plus de puissance commerciale ici. On veut récupérer un marchand. Karim le marchand. On peut prendre une technologie, on peut prendre la technologie militaire parce qu'on a de l'avance et on a beaucoup d'innovation. Donc on peut. Ça nous permettra d'avoir des meilleurs canons. Et ça, on dit pas non. On dit pas non, on prend les canons offensifs plutôt que défensifs parce que voilà, la défense on a donné. Et tout le monde est formé, étincelle de génie, super. Donc vous, vous allez venir ici. Vous allez vous regrouper et votre mission, ça sera de rejoindre le groupe de 38 pour le diviser en deux. Et qu'il soit plus puissant, donc. Portée coloniale et un explorateur. Pour l'instant, on s'en fout. Cette flotte est réparée, donc on va pouvoir reprendre des missions. Est-ce qu'on affronte la flotte de 111 alors que eux, il a plus de galères. Il a plus de galères. Est-ce qu'on n'attendrait pas nos bateaux? Non, ils vont être trop loin à revenir. On va déjà se déplacer plus bas dans l'Italie. Pour avoir plus d'infos. Continue de prendre des territoires. Vassal égyptien. Enfin, l'Égypte vassale de l'Ottoman. Nos canons vont venir rejoindre les alliés au front. La colonie est suffisante ici. Oui, autosuffisante. Nickel. Bravo. Et il nous faut plus de colonisateurs. On veut coloniser. Parce que eux, ils sont en train de coloniser ici, oui. C'est magnifique. Ça fera partie de la compagnie commerciale, oui. Ça, c'est pas colonisé. On a combien au coût des colonies actuellement? Ouais, non. Celle qu'on vient de donner, de dire de faire, elle va nous coûter déjà cher. Donc on va pas en mettre d'autres de plus. Ça sera déjà assez cher comme ça. Est-ce qu'on peut construire des manufactures chez nous qui nous rapporteraient du pognon? À Fès, oui. 66, c'est quand même correct. Continue de prendre des territoires. Le pape ne veut pas nous payer, nous donner une mission parce que c'est trop cher. De l'innovation, mais de l'opinion en moins pour la Suisse et la Venise. Bah oui. S'en fout d'eux. Et vous, vous avez fini vos... Ouais, vous avez fini vos conquêtes, donc on va vous rajouter du boulot. Oh, c'est lesquels que j'ai donné, oui. Vous allez venir ici pour prendre tout ça. Je sais pas si j'ai cliqué sur le bon truc. Tout à fait. Accepté. Et toi, pareil. Tu dois prendre tout ça. J'ai mis clic. Et l'autre. Voilà. Prends tout ça en colonisateur. Enfin, en conquête. Comme ça, il va reprendre les missions. Parfait. Du professionnalisme. Ah. On aime avoir une armée professionnelle. Notre armée est nulle à chier. Ça sera mieux. Moins de coûts d'entretien pour l'armée, oui. Et plus de recouvrement de soldats. Ça, c'est tout du bonheur. C'est parfait. On peut... Ouais. On peut améliorer chez notre vassal. Ça rapporte plus de pognon. Mais bon. Notre armée ici est arrivée. Alors, si on déclare la guerre à lui, il y aura qui? Moi, je dis, ça se fait. Donc, il veut prendre le Shorty. Pourquoi j'ai deux personnes qui veulent prendre Shorty? C'est lui qui veut prendre? La Colombie veut prendre ça? Ça appartient au Mexique, abrutiman. On va prendre Shorty. Est-ce que c'est l'endroit où il y a le... Qu'est-ce que j'ai cliqué? Oh, l'abrutiman. Il clique sur tout. On va quitter les menus et il clique sur tout. Est-ce que c'est l'endroit où il y a la fortification? Oui. Donc on va plutôt prendre Pipil. Ouais, Pipil. Prenons Pipil. Un objectif de guerre. Et comme ça, on va faire les guerres de Mexique. On va continuer pour faire les conquistadors. Là. Et ben, ils ont le temps d'en s'enfuir, comme d'hab. C'est absolument impossible de rattraper des armées indigènes. C'est rageant. Un mec pour plus de discipline, oui. Mais les menus sont plus gros.
Dépêchons-nous de rien faire ou... Ah oui, on va se dépêcher de rien faire parce qu'on n'a pas envie d'avoir une armée qui pop chez nous alors qu'on est en plein milieu d'une guerre à l'autre bout du monde. Bizarrement, ça nous intéresse moyennement. Vas-y, plus d'impôts là-bas. Plus d'impôts. Comment ça se passe ici? Les troupes arrivent bientôt. La conquête pour l'Irak. L'Irak a été démis de ses fonctions, pas du tout. L'Irak a capitulé, l'Irak existe vraiment ou pas? Parce que là, il y a la Perse, mais c'est pas ça, c'est l'Irak. Eh bah d'accord, bah, je sais pas où ils sont. Non, ça c'est Iran, de toute façon. C'est ici. Ah d'accord. Bon bah il lui restait pas grand chose de toute façon, hein, donc hein. Il a même pas Bagdad. Donc il donne du pognon à mon allié. Nous on a récupéré, cela dit, la moitié du pognon qu'il a demandé, donc... C'était pas grand chose, mais ça veut dire qu'on fait déjà assez de taf pour être considéré en tant que tel. Ça veut rien dire, ça me fait marrer. Gloire à l'Espagne, revendication sur la Côte d'Ivoire. Oui, mais ça c'est à la France. Peut-être pas être facile de le prendre tout de suite. Est-ce qu'on a un... Ah si, pour Guinée. Là c'est le truc de Guinée? Pas du tout. Bah si. Ça doit être la compagnie de Guinée, ça. Hein. Philippines, c'est... Afrique australe, non, Guinée. Il peut pas nous mettre la souris dessus? Ouais, c'est la Côte d'Ivoire, c'est bien ça. Et il l'appelle Guinée, donc oui. Donc c'est bon, on a déjà assez pour avoir le commerçant ici, donc il n'y a pas besoin de déclarer la guerre à la France tout de suite. En plus, là, ils sont en guerre avec le Mali, donc voilà. Ils vont probablement prendre plus de territoire. On verra. Comment ça se goupille. Un agent français chez nous. On le déteste. Est-ce que... Non, 160, on peut pas améliorer encore. Il manque un petit peu. Sfax, ça a été pris. Là, on va essayer de prendre ça. Le commerce, oui. La flotte des Indes. Ah. Et ainsi, le siège de Corfou est fini. Et toi, en parlant de siège de Corfou, tu vas faire des sièges ici en mode automatique parce que la flemme. Donc, normalement, ça veut dire que là, nos armées sont arrivées, voilà. Donc là, on a tous les canons, donc on pourrait diviser en deux pour avoir deux armées viables. Le problème, c'est qu'il va nous manquer un général. Tristesse. Cela dit, si on reste comme ça, on va pourrir un petit feu, hein. Parce qu'il va dire, t'as trop de troupes au même endroit, mourrez. Mourrez, Villastico. On a besoin de notre flotte pour avoir moins de malus ici. Alors, je sais pas sur quelle mer est considéré le truc. Absence de blocus. On permettra d'avoir des bonus pour faire le siège plus vite. Même si on me dit pas... Édimbourg, Édimbourg. Bof, cela ne nous regarde pas. Les compagnies commerciales, on peut les booster. L'Afrique australe, on l'a déjà. Moluque, on n'a pas boosté. Ouais, on n'a pas du tout boosté Moluc. On va booster Moluc un petit peu pour le commerce. Pour essayer d'avoir un marchand. Un petit marchand. Continue de prendre les territoires. L'Ottoman, pour l'instant... Je sais même pas s'il a fait des batailles. Si, il a fait des batailles. Il a fait une bataille terrestre, c'est tout. Le reste, ça joue à cache-cache. C'est magnifique. Il l'a perdu sa bataille terrestre. Par contre, en mer, il en gagne beaucoup des batailles. Mais bon, il n'y a que notre flotte qui compte, mais elle n'intervient pas. Visiblement, c'est le côte des barbaresques qui compte, et pas l'autre pour ici. Voilà, donc comme ça, il n'y a plus le malus, et le siège sera un petit peu plus facile. On peut même tirer avec les canons si on veut, mais arrêtons les conneries. On peut accueillir du monde pour la colonisation, oui. On accepte. 100 colons de plus. J'ai pas dit que c'était la colonie. Enfin, la compagnie commerciale. C'est fait. Mauvaise nouvelle. Le peuple perd confiance. Régence de la reine consort. Comment ça? Notre gars est déjà mort? Terrible. Il a 3 ans, notre dirigeant. Donc c'est sa maman qui prend le... qui prend la régence. Terrible. Et c'est elle qui va gérer, mais elle a des chances d'avoir des héritiers. Lol. Il n'y a pas besoin, vu qu'il y a déjà l'autre con. On va faire le truc d'Édimbourg, comme ça on sera tranquille.
Après, je suis sûr qu'il y a d'autres colonies, il y a d'autres trucs qui peuvent être faits, mais à mon avis, il y a des gens qui sont en train d'améliorer le territoire et donc on peut pas le faire. Comme ici. Non, là on peut pas le faire. Ça, on est en train de le faire, ça, on est en train de le faire. Ça. Voilà, ça, il y a un missionnaire qui est en train de bosser ici, donc on peut pas. Et ça, c'est bientôt fini. Il y a beaucoup de trucs qui sont en cours déjà, qu'on a déjà commencé à faire. C'est pour ça. Au Congo, il y a des trucs. Ouais, mais on n'a pas accès. Le mur de Berlin. Non, de Bénin. C'est pas du tout la même chose. Ni la même époque. Sousa a été pris. Ça continue, lui, il va être encerclé. Hein. Je sais pas s'il est au courant. Hein. Visiblement, cela ne nous regarde pas. Les tribunaux, non. Pour la merde. Ah oui, il y a des territoires à moi où je pourrais améliorer le commerce. On veut plus de commerce. Commence à produire à Bialy. Super. On peut convoquer les ordres. La profée. Augmenter la valeur fiscale d'ici pour avoir du prestige. Lol, s'en fout. Faire un train d'entraînement ici. Ouais, ça pourrait être fait. Ou mieux, coloniser ici pour... Oui, pour avoir plus de croissance coloniale. Ça, on veut. Donc, il me faut un gars. Toi, par exemple. Et donc, on a dit, c'est au niveau de la Colombie qu'il veut coloniser ici. Eh bien, ici, ça me semble très bien. Parce qu'il n'y a pas de trucs... non, il n'y a pas de trucs commerciaux. Donc, ici, il y a plus de développement. Donc, c'est plus intéressant. Évidemment. Nos ports subissent un blocus. Parce qu'il y a la flotte ennemie de 113. On a plus de vaisseaux lourds, mais ils ont plus de galères. Oh, la galère. Je sais pas du tout si ça suffit, notre flotte, ou si on se ferait casser la gueule. On a un meilleur général, mais quand même. Ouais, où les deux flottes? Il a deux flottes de 116. Pas du tout. Il n'y en a qu'une. J'ai eu peur. Est-ce que... Ouais, on est loin de la limite. Hein. On peut faire des galères. Hein. On peut faire moult galères. Hein. Pour lui opposer une force équivalente à l'autre. Ça va prendre un an, mais bon. On va rester... On va aller jusqu'à 50 pour la limite. Voilà. Comme ça, on aura moult bateaux en plus. 30. Une trentaine. 34, pour être précis. La charte, oui. Un conquistador. Ça lui m'en fout. Et le reste, la portée, on n'a pas besoin. Ça, c'est pas encore ce qu'il faut. La flotte des Indes nous rapporte 270 balles. Bravo. On a dit qu'il fallait améliorer les Moluques si on voulait avoir du pognon là-bas. Enfin, un marchand supplémentaire. Fin du siège de Annaba. Oui, Annaba. Bah, c'est ici. Siège du Maroc. Bravo. Et on continue de faire les sièges. Petit siège gaming. Ils se sont tous entassés au même endroit. Bah, bravo d'être idiot. Conquête du Maroc. Le Maroc a capitulé. Donc, il nous paye du pognon. Et c'est tout. Pour l'instant, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Nous, on veut prendre des territoires. Après, on va se dire que... On va croire en notre allié. On va croire en l'âme des cartes. Et se dire que notre allié va nous aider. J'y crois à mort. Donc là, c'était les troupes marocaines. Donc, elles n'ont plus rien à faire avec nous. Donc, pas lui m'en fout. J'ai des troupes qui sont en exil ici. Bravo. Et continue de vouloir faire des sièges alors qu'elles sont en exil. On aura tout vu. La connerie n'a aucune limite. Ouais, elles sont plus en exil, c'est bon. Fin du siège de Shorty, oui. Ah bah, ça va bientôt faire croûte, donc. Ici, est-ce qu'on peut te donner... voilà, on va te donner au Mexique. Voilà. Donc ça, c'est nickel. Ça dégage. Ensuite. Toi, Zuo. Ah, il a trop de territoire pour que je puisse lui demander tout. Intéressant. J'ai dit, tout est bientôt capturé, donc il y aura peut-être plus de scores de guerre. Bon, ça coûtera peut-être moins cher, donc on pourra peut-être quand même demander tout. Non, il faut 133. 133, madame.
Donc on peut pas tout demander. Après on veut le priver d'accès maritime. Ok de prendre ça. Ah oui, là il y a accès maritime aussi. Et si on le donne au Mexique, il a revendication dessus, ça coûte moins cher, non? Ah non, c'est nous qui avons revendication dessus. C'est nous qui l'avons la revendication, pas notre vassal. Donc il faut que ça soit à nous. Pour que ça coûte moins cher. Est-ce que c'est nous qui avons tout actuellement? Ah puis il faut prendre Pétain. Ouais, je sais pas comment ça se prononce. Parce que ici il y a un bâtiment intéressant. Même si je sais pas si on pourra le faire avec notre culture. Non, pas celui-là. Lui. Ouais, lui, non, il veut pas. Par contre, si je prends tout maintenant. Et il veut quand même pas. Hein. Il veut quand même pas, mais on aimerait bien rejoindre les deux quand même. Hein. Rejoindre les deux pixels. Hein. Tant pis, ils vont garder deux petits territoires séparés, mais c'est pas grave. Donc voilà, on prend ça. On donne à notre vassal mexicain, évidemment. Et toi, donne au Mexique. Comme ça, voilà, là on est relié. On est branché, les gars. Oui, toi, siège autonome, il n'y a plus besoin. On a une technologie disponible. On peut faire la technologie pour avoir le moulin et plus de productivité. Eh bien, oui. En plus, comme on est en avance, on a plus de productivité pendant quelques années. Pendant 20 ans. Vous vous rendez compte de ce qu'on peut faire en 20 ans? On peut naître et mourir en 20 ans. Terrible. Est-ce que... Oui, plus d'impôts ici aussi. Continue d'améliorer nos compagnies commerciales pour, dans l'espoir vain d'avoir un commerçant. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, t'as pas les missions par là-bas? Après, il faudra remonter en Égypte. Hein. Visiblement, voilà, quoi. Bah, toi, mais qu'est-ce que tu fous? Mais qui fout? Il est où, l'autre? L'autre, il est revenu là-bas. C'est pour ça qu'on adore les missions automatiques. Parce que après, quand ils sont en repos, ils se barrent. Le soleil ne se couche jamais. C'est sous le règne de Charles Quint au cours du XVIe siècle que l'Empire espagnol atteignit sa plus grande expansion. Alors même qu'il était empereur du Saint-Empire romain, germanique, ses possessions en Europe comprenaient l'Espagne, l'Autriche, les Pays-Bas, Milan et le Royaume de Naples, auxquels s'ajoutaient les nombreuses et immenses colonies des Amériques, ainsi que celles d'Afrique et d'Asie. Mais comment ça? Mais c'est pas moi le dirigeant de Saint-Empire romain germanique. J'ai certes l'Autriche, mais j'ai pas la Hollande non plus. Hein. François Hollande, il est pas à moi. Hein. Si j'améliore mes trucs ici. Elle est un peu naze. Hein. Vous, toi tu vas te rebarrer. Ah, j'adore. Toi va là-bas. Non. Alliance avec les pays... Et puis il y a l'autre bout du monde. Non, merci. Et eux, ma choupe, on n'a pas de revendication. Eux, on n'en a pas. Eux. On faudrait peut-être s'en débarrasser de ces petits gens-là qui sont un peu isolés partout. Ces deux-là sont... Ah, lui, il est allié avec, avec lui. Ok. On va bien m'en débarrasser. Il y a des ennemis là-bas. Peu va t'en occuper, s'il te plaît. Donc notre allié ne veut pas le faire. Nos vassaux. Colonie. Terrible colonie qui foutent rien. On a 100. Donc on peut augmenter notre stabilité de 1. Notre stabilité n'est qu'à 2. On peut l'augmenter. Échange d'influence papale. C'est beau. Et on a des bateaux qui commencent à se faire ici. Vas-y. Rejoignez-vous tous. Pour avoir une flotte plus conséquente et essayer d'affronter peut-être un jour l'armée ottomane. Enfin, la flotte ottomane. On a plus de vaisseaux lourds, mais ils ont plus de galères. Alors, je sais pas si ça suffit, les galères. On va essayer de l'affronter. On va essayer de le pourchasser, mais il va peut-être nous fuir, tout simplement. Hein. Ça, c'est une possibilité, parce qu'on a 142 bateaux. On en a beaucoup plus que lui. Mais bon. Je sais pas si ça suffit. Ça, c'est pas à nous. Ça, c'est à nous. Ça, c'est pas à nous. Ça, c'est à nous. C'est pratique de voir ce qui est à nous, de ce qui est pas à nous quand tout est vert.
Terrible. Notre flotte. On a dit qu'on voulait essayer de faire quelque chose avec notre flotte. Allons en mer Égée. Pour prendre le contrôle des détroits, là-bas. Il a fait fuir sa flotte en mer de Sicile. De Cilice. De Sicile ici, pas du tout de Sicile. Et on a gagné un nouveau commerçant grâce à notre compagnie castillane du Pacifique. Eh bah super. Un commerçant en plus. Accuse. Oui, mais il y a zéro balle. Hein. Valeur du nœud commercial, zéro. Ça m'encourage pas trop. Mais cela dit, là, il y a 15. Donc, oui. Je pense que faut le transférer. De toute façon, on collecte le pognon à Venise. À Venise, on collecte. Ouais, à Venise, on collecte. Donc, oui. Il va falloir transférer. Il faudrait transférer aussi Moluc. C'est les deux objectifs. Parce que Moluc, on collecte juste après. On collecte à Malacca. Et on va se dire que ça, c'est plus important. On va se dire ça. Ça repose sur rien, mais on va se dire ça. Vas-y. On continue de prendre les territoires là-bas. Plus 100 habitants à ma colonie, oui. Notre flotte est ici. Bah super. Et les armées ennemies aussi sont ici. Bah super. On aura bientôt tous nos petits bateaux. Ils vont pop au fur et à mesure. On a détruit la force de révolution qui était ici. Notre pote anglais colonise, bravo. Bravo à lui. Milan nous a insultés. Milan, on voudrait leur casser la gueule plus tard. Donc ça tombe bien qu'ils nous insultent. Qui profite le petit gars. Pacifique, oui. Ici hein. Je sais pas cliquer, j'ai cliqué à côté. À nous ça, oui. Oui. c'est bien, hein. Ça aurait pu pas être plus pratique, là. Nom de Dieu. Vas-y. Continuez de prendre tout. Caraman a été pris. Là, il y a quelques bateaux qui ont été... qui sont prêts. On va les faire rejoindre. Il y a plein d'autres, là, qui viennent d'être prêts. Donc, vous tous, ici... Pour la flotte de galériens. Évidemment. Tous aux galères. Continue de prendre des territoires. C'est magique. Pas va là-bas. Vous. Allez là-bas. On va être pas mal là. S'il faut casser la gueule du monde. Elle est où notre deuxième armée? Elle est ici. Elle ne sert à rien. Oublié de lui donner des missions. On va prendre le quai. Le quai et tout. Hein. Ça continue, ça va être très bien. Notre flotte arrive. Ah, il manque un bateau. Il manque une galéasse. Petite galère. Oui, plus 100 habitants ici. Comme ça, on va finir la colonie plus vite. Et on a une aptitude. Donc, impact sur les blocus pour les sièges. Ça peut être intéressant. Les mercenaires, on n'en prendra jamais. Donc, ouais, plus d'impact des blocus. On a une force maritime conséquente, donc on peut se permettre de booster les blocus. Ici, est-ce qu'on peut améliorer nos trucs commerciaux? Pour essayer de récupérer encore un commerçant. Une colonie Lusande est terminée, donc au sud du Congo. Comme ça, il n'y aura personne qui le prendra. Il y a juste la France qui a peut-être cassé la gueule au Mali. Pour récupérer des territoires pour continuer son expansion de ce côté-là. Mais pour l'instant, c'est pas clair. On va se diviser ici pour prendre tout. Là, ça a été pris. On va se mettre ici. Notre flotte fusion, il y a. Évidemment, il y a d'autres bateaux qui continuent à arriver. Voilà, là, on a 57 galères. Lui, il en a 47. Donc voilà, on a même plus de galères que lui. Donc on a plus de tout. Si on a plus de tout, on gagne normalement. Est-ce qu'on construit une église ou on fait que le coût, ça coûte moins cher? On va construire une église parce que je suis pas sûr qu'on construise grand chose d'autre là-bas. Hein, donc voilà. Toi, t'es super, mais tu vas aller ici en fait. Tu vas t'occuper de problèmes ici au Brésil. Pour que le Brésil soit à nous. Ici. Il peut pas bouger à cause du fort. Ah super. Toi, tu peux prendre ça par contre.
Est-ce que toi tu peux avancer? Tu peux avancer en faisant ça. Et toi, tu peux te mettre ici, peut-être? Oui. Adana a été pris. Adana. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est l'endroit où notre flotte attend la flotte ennemie. Alors, attention. Grosse bataille, là. Grosse bataille navale. Donc, on est à 171 contre 124. On a tous les deux l'avantage, soi-disant, grâce aux... Enfin, les galères font plus de dégâts. Ok. Ok, ok. Donc, sur le papier, on a plus... Mais le hasard fait que peut-être pas. Bon, on les a fait fuir. On leur a perdu. On a fait couler 4 galères. Et on va se mettre en réparation vite fait. Pour récupérer de la bataille. Et on verra. Un nouveau pape. Lol. Lol lol lol. Toi tu vas tirer pour qu'on gagne du temps là-dessus. Bulle papale, c'est toujours la même. J'ai l'impression qu'il fait tout le temps la même chose. Compagnie commerciale, on veut plus de commerçants. Donc, on continue de les améliorer. Ah, c'est le même territoire? Non, c'est pas le même territoire. Le Pérou, on a converti. On peut reprendre un bonus. Plus de réputation diplomatique et moins de coûts d'annexion. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse fortement. Toi, tu peux... Non, on peut pas avancer non plus. Les bloquer. Notre flotte est pas réparée. Il y en a encore qui sont à 95%. Fin du siège. Ah. Fin du siège, donc on peut avancer. Voilà. On peut avancer dans les territoires égyptiens. Là, ça continue, il va capituler l'Ottoman, là, non? Notre flotte est prête, donc on va faire petit blocus ici. Comme ça, la flotte ennemie est bloquée. Bloqué. Mais plus d'impôts là-bas. On veut plus d'impôts. On n'a pas assez de pognon. Ah. Et bah, plus de commerce aussi. Visiblement, on l'avait pas fait le commerce. Il y a plus de production. Le Brésil. Le diamant du monde. Ah bah super. 630 T en balles. Pour nous ou pour le Brésil? Pour le Brésil, probablement. Bah bravo, ils ont découvert du diamant. Bah bravo. Mon Brésil est riche. Il est riche, certes, mais ça reste mon vassal. Donc, pas lui m'en fout. Ah oui, ici, c'est chiant parce qu'il y a des déserts infranchissables. Donc c'est chiant. On va se mettre en mode auto parce que ici, il n'y a personne, visiblement. Donc, autant... tout prendre. Non, toi tu vas aller à Sinaï. Siège autonome. Non, merci. Toi tu continues de prendre les territoires. On est à 80% pour la capitulation de l'Ottoman. Ce n'est qu'une question de temps maintenant. Bon, depuis le début de toute façon. On pourrait nous prendre notre part de gâteau. On a fait 28% de score de guerre. On pourrait prendre ici. Beaucoup. Est-ce qu'on pourrait prendre Tunis? On pourrait prendre Tunis. Ce serait bon pour le commerce. Mais il y aura une coalition contre nous, avec le Maroc, les Aztèques, Milan, la France. On n'est pas obligé, on peut juste prendre la côte. On peut prendre moins, hein. Parce que Tunis, c'est ouais, c'est le nœud commercial. Hein. C'est le nœud commercial ici. Hein. Nous, ça nous intéresse, mais le problème, c'est que ça serait abandonner notre allié à son triste sort. Bon, il devrait s'en sortir, mais quand même. On veut prendre Tunis. Si on n'a pas Tunis, on va être dégoûté. J'ai envie de prendre ça. Et on prend 1000 balles en plus. On n'aurait pas accès ici parce que le Maroc a capitulé avant, donc on peut pas. Si on prend moins d'argent. On prend 0 à 1 balle, on peut avoir jusqu'à un lien. Ça nous intéresse pas vraiment. On prend ça?
Non, expansion. Moins 72 pour la pour Venise, moins 74 pour le Maroc, enfin pour la France. Il va peut-être y avoir une petite coalition contre nous. Mais on aurait Tunis, donc pour le commerce, c'est mieux. Vas-y, on prend, parce que je suis sûr que si j'attends, mon allié il va me donner que dalle. Il va dire « Ah, merci de m'avoir aidé !» Fin de discussion. Fin de traité de paix. Bon. Et bah de rien. Ça sera fini comme ça. On va placer nos troupes autour de Milan. Parce que Milan sera le prochain objectif. Mais à cause de ce qu'on vient de prendre, à cause de notre pote polonais, c'est pas clair. Donc on va arrêter de le rejoindre dans ces guerres. Pour pouvoir s'occuper des nôtres de guerre. Oui, on confisque encore des terres. On peut sentir plus de terres. Nœud commercial. Et ici, en Angola. Évidemment qu'on l'améliore. Améliore une fois, c'est déjà bien, mais ça améliore. Des cultures algériennes, tunisiennes et berbères. De toute façon, on n'a pas de... Ah, oui, les berbères sont acceptés. Écoute, c'est plus rapide à faire pour les annexer. Vas-y, Tunis, puis l'autre, l'Algérie, pour avoir moins de problèmes. Révolte bientôt. C'est où, ça? C'est au Pérou. Ah, mais notre troupe en Pérou, elle est barrée. Parce qu'elle est ici. Bah, toi, tu vas venir au Pérou. Venir au Pérou. Lui, il veut une alliance. C'est non. C'est non. Colonie est finie, ici. Ah, c'est bien. Croisade? Non, c'est fini. On n'a plus la croisade, justement. Donc ça, c'est bon. Alors, est-ce qu'on continue de coloniser les petits trucs, ici? Ah, là, c'est intéressant, parce que là, il y a un havre naturel, donc c'est bien pour le commerce. Pour avoir plus de commerce dans la région. Ça, c'est bien. Bien, le commerce. Plus grand chose à faire dans le coin. Il y a ici. Il y a ici, il y a ici. Pour améliorer encore nos trucs commerciaux. Là, soi-disant qu'il me reste des endroits à faire. Ah, ici. Bah d'accord. Vous n'êtes pas sur le même truc. Non, c'est la Côte d'Ivoire. Bah d'accord. Notre flotte. Notre flotte peut rentrer chez nous. Parce que c'est bon. Et on peut se marier avec Florence. Oui, vas-y. Se marier avec Florence. Notre vassal. On pourrait l'annexer aussi, d'ailleurs. Petite annexion. Est-ce qu'on a ce qu'il faut en... Non, on n'a pas assez de capacité de gouvernance pour les bouffer. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose. Est-ce qu'on peut vassaliser des gens? Ou c'est non? Toujours l'Écosse, hein. Toujours les mêmes. Puis après, c'est quasiment que du amérindien. Tout à fait. Bon bah non. Pas colonisé, puis sans... Enfin, pas... pas vassalisé, et puis c'est tout. Hein. Toi, t'es ici. Là, tu vas bientôt pouvoir attaquer Belém. Vas-y, attaque ça. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de s'enfuir? Incroyable, mais vrai. Ils ont pas eu le temps de s'enfuir. Mais c'est fou. D'habitude, ils ont toujours le temps de s'enfuir. Donc, on est en guerre contre eux aussi. Et si on annexe les deux, le Brésil sera un peu plus en sécurité. Des impôts. On veut plus d'impôts. Toujours plus d'impôts. On fait chez nos colonies aussi. Parce qu'ils nous donnent du pognon. Voilà. Moult colonies. Évidemment, il va falloir attendre que nos alliés reviennent. Que nos troupes reviennent de chez l'Ottoman pour refaire quelque chose si jamais on veut déclarer la guerre à Milan. D'ailleurs, on va mettre nos gars dans des missions parce que là ils font rien. Siège de Belém, c'est fini. Et on a fini notre colonisation ici pour agrandir l'Australie parce que l'Australie est trop petite. Elle est trop petite pour nous, les gars. Là, ici, il y a un truc commercial encore. On va l'agrandir de ce côté-là. Même s'il n'y a pas de contact, tant pis. Faudrait que l'Australie soit plus grande pour qu'elle nous donne un commerçant. Évidemment. Toujours plus de commerçants. Des ateliers. Oula, on apporte beaucoup ça. Alors 39 pour un atelier, c'est OP.
Voilà, moult trucs en plus. On peut continuer d'annexer les territoires, enfin de légitimer. Pour que ça soit bon. D'ailleurs, on peut pas les donner à des compagnies commerciales, ça. Faut pas déconner. Si, on peut. C'est pas considéré comme la même région que le Maroc. Surprenant. Ah ouais. Charte des côtes de Barbarie. Ok. Ah mais est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est toujours plus worse de se créer des compagnies comme ça? Cela dit, on n'a pas la capacité gouvernementale pour les gérer nous-mêmes. Donc c'est peut-être worse. Pour récupérer un marchand de plus. En plus, ça augmente beaucoup la puissance commerciale, ça. Influence commerciale plus 100%. Ça augmente aussi la limite navale. Par contre, plus de productivité, plus d'impôts, plus de réserves, et plus d'effectifs et plus de limites terrestres. Ouais. Plus grand chose, quoi. C'est bon, ils ont perdu, les autres. Les autres petits. Donc, donner au Brésil. Voilà. On va devoir attendre que l'autre revienne. Et on va essayer de déclarer la guerre à l'autre petit, là. Portigaras, pour s'en finir avec lui. Notre diplomate est revenu, donc on peut lui dire de céder Belém. Et voilà, comme ça, le Mexique a tout. Enfin, le Brésil a tout, pardon. Confond tout. Ça, c'est fini de coloniser, oui. J'ai vu que le Canada avait déclaré la guerre à quelqu'un, enfin, le Québec. Il déclare la guerre à qui? Oui, il a un casus belli. Il déclare la guerre à Ochega. Et ici. Bon, il a l'air de gagner, il a 16 000 gars, l'autre il en avait 5 000. Ça devrait le faire. Nous, faudrait qu'on prenne le Danemark un jour, mais... c'est beau, mais c'est loin. J'y vais, il y avait beaucoup, là. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Amnesiman. Oui, je voulais déclarer la guerre à lui. Dès qu'on serait assez près. Dévastation. Terrible. Lui, il n'a plus d'alliés, maintenant. Parce que ses alliés, c'était les deux autres qu'on vient de casser la gueule. Donc, voilà. Pour compléter le Brésil. Casus Belli, protection du commerce contre la France, oui, si vous voulez. La France, ils ont pris ça, d'ailleurs. La France, ils font ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils ont... Oui, ils ont gagné contre le Mali. Ils sont alliés à l'Écosse, actuellement. Donc, actuellement, la France est gratuite. Enfin, gratuite, ils sont quand même de... Non, ils sont quand même que dalle. Ils sont nuls. Mais nous, notre objectif, c'était plutôt Milan. C'était plutôt Milan l'objectif, plutôt que la France, donc pour l'instant on va se dire qu'on va se contenter de notre objectif. Ça sera déjà pas mal. Est-ce que nos troupes sont bloquées quelque part? Tout à fait, ils sont bloqués ici. Ils sont en train de mourir. J'adore ce jeu. Venez! On a besoin de notre flotte pour se déplacer. On est bloqué. Les États pontificaux veulent un accès chez nous pour passer entre leurs territoires. C'est non. C'est non, c'est non. On les aime pas. On améliore le commerce un peu partout. Et ouais, nos troupes sont là, donc c'est bon. Et la révolte péruvienne, pour l'instant, il n'y a plus. Il n'y a plus du tout, en fait. Ah si, 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 mais c'est juste plus bas. Autant pour moi. J'ai rien dit. Ça c'est bon, c'est conquis. Voilà, donne le Brésil au Brésil. Voilà, nickel. Et lui, il n'y a pas de casus belli, non. Donc toi, tu vas revenir ici. Ouais, non, tu vas revenir au Mexique, pardon. Il y a d'autres guerres à faire au Mexique. On n'a pas du tout fini de tout prendre. Floride a déclaré la guerre à lui. On connaît même pas. C'est pas bonne chance. Bon, il devrait la gagner. Hein. Il devrait la gagner. Qu'est-ce qu'ils ont les colons? Oui, vas-y. Plus de colons, comme ça, ce sera bientôt fini. Une autre colonie est finie. Petite colonie ici. Ouais, elles appartiennent tous à les compagnies commerciales, donc c'est nickel. Et nos gars ici, mais bon. Pour l'instant, on s'en fout un peu. Ils sont tous alliés ensemble, visiblement.
Il nous faudrait des sacrées armées si on veut déclarer la guerre ici. Hein. Enfin, faudrait faire venir des armées du continent, quoi. Oui, plus de mercantilisme, et on a un colon qui ne fait rien. Eh bien, pourquoi on lui dirait pas de coloniser l'Australie pour avoir des... pour avoir moins de problèmes. Pour avoir moins de problèmes et avoir le marchand australien. Donc là, on n'a pas encore le marchand australien, normalement. Il y a plus simple pour faire ça. Terra Austral... si, on l'a, le marchand. Enfin, je pensais pas. Il me semblait pas qu'on avait 10 territoires. La Corse nous déteste. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vassalisé la Corse. C'est terrible. voilà, là on va pouvoir augmenter notre limite de force terrestre par 100% de... Enfin, la contribution des vassaux va être augmentée de 100%, donc on va avoir beaucoup plus de force terrestre. Et ça va diminuer les exigences injustifiées de 50% pour les guerres. Donc c'est bien. Il me semble que c'est pour les guerres. Hein. Et on va pouvoir mettre des doctrines en plus. Donc une doctrine administrative. L'aspiration à liberté des dépendances, moins 15%. Ça peut être intéressant. On pourrait en mettre sur les autres, mais ça sera des doctrines qu'on payerait. Donc à bien voir. Pour l'instant, ça sera gratuit. Est-ce qu'il y a des dépendances qui veulent de la liberté ? Pas du tout. Elles sont toutes à zéro, quasiment. Sauf le Brésil qui est à 1%. On va dire qu'elles sont toutes à zéro. Nos troupes ici sont arrivées. Elles ont décidé de se grouper. Comme ça, ça va être bien le merdier pour les répartir. On va dire qu'on va en faire 4. Hein. Allez-y. Tout le monde a sa place. Il va falloir mettre plus d'artillerie sur chacun. Mariage avec la République des Deux Nations, évidemment. Bien sûr. Alliance avec Cologne, c'est non. Ouh. Il va falloir plus de troupes. Hein. Il va falloir plus de canons, surtout. On va faire... J'en ai fait un de trop. Voilà. On va faire ça. Là, on va faire ça. Là, on va faire ça. Et là, on va faire ça. Voilà, comme ça, on va se mettre à 12 avec tous. Et ça sera super joli. On peut pas encore reprendre d'autres territoires. Est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants, genre des manufactures ? Parce que maintenant, on a les moulins. Donc à Madrid, on peut faire des trucs. À Padoue aussi. Et chez nos colonies aussi. On a les moulins. Oh, mon moulin, Jean Moulin. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Moins de coûts de construction, bah c'est bien, on vient de lancer des constructions ultra chères. Donc c'est bien de prendre le bonus juste après. Brave erreur, la tirie. Comment ça, il me restait qu'un seul général. Ah, j'en ai perdu un, probablement. Probablement perdu un. Bon, ça va aller. Oui, lui, il continue de coloniser, le relou. Qu'est-ce qui se passe? Révolte. Et prenez l'autonomie. La flotte des Indes, oui. Et la révolte chez mon pote autrichien. Enfin, lui m'en fout. Révolte en Irlande. Bof. Et la Louisiane déclare la guerre à des tribus indiennes. Bon, bah, ils se développent, eux. Nos vassaux se développent. Nos colonies. Ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on ne dépenserait pas pour avoir plus de capacités gouvernementales? Parce que ce sera quoi le prochain truc? Absolutisme. Ah, capacité gouvernementale plus 250. Ok. Coût de légitimation, moins 5%. Et moins d'autonomie. Bof. Politique disponible, plus 1. Bof. Ou plus de tolérance envers la vraie foi, donc moins d'agitation. Et moins de score de guerre nécessaire contre les autres religions. L'État, c'est moi, c'est bien. On verra pour avoir plus de capacité gouvernementale. Soit on paye 1500 balles, soit on perd un de stabilité. Bon, on va perdre 1500 balles. Fafak, c'est colonisé. Fafak ici. Bah super. On colonise beaucoup encore ou pas? Armeniziman. Oui, encore un peu trop. Achagos, c'est bon. Donc là, notre quête est finie. Donc la colonisation va être plus forte. Et l'autre est en guerre. Ça va, il va pouvoir s'en occuper. Par contre, la deuxième, il va avoir du mal. Il va avoir du mal parce qu'il a pas les passages. On a un colon disponible.
Donc eux, ils vont se faire regoumer encore. Donc c'est la paix. Voilà, c'est la paix. Donc ils sont tout à fait d'accord avec la paix. Et donc ils ont refusé notre offre d'imposition de la paix. Donc ils sont en guerre contre nous, mais maintenant ils sont dans la merde, parce qu'ils vont devoir nous vaincre s'ils veulent gagner la guerre, et pas juste vaincre notre vassal nul. Donc ça change tout. La Cascadie, on aimerait bien aussi coloniser. Parce que là, actuellement, il y a qui nous donne pas de commerçants? Même la Cascadie nous en donne. Ça me surprend. C'est Pacifique. Pacifique Morté, il me le donne. Comment ça? Il a 10 territoires, Pacifique. Là, il est pas dans la liste. Est-ce un bug? 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, il en faut 10 pour qu'il me le donne, son vassal. Ah, il faut qu'ils aient la petite couronne, je crois. C'est pas ça? Pas du tout. En tout cas, pour moi, il n'en a pas assez des territoires. Donc, on va le coloniser. On va le coloniser manuellement. Un peu plus. Qu'il tienne un peu plus. Lui, pour moi, il me le donne pas, son commerçant. Donc, on va coloniser par là. Coloniser, Moult. Oui, compagnie des Indes, flotte des Indes. On est super content. Notre limite de force, voilà, on est passé de 250 à 321. C'est pas encore gigantesque, mais c'est déjà beaucoup mieux. Et ça, c'est grâce à... notre truc. Grâce à notre doctrine. Et nos vassaux. Plus de mercantilisme et moins de stabilité. Notre gars quitte la cour, mais on gagne 200 de puissance administrative. Notre autre gars quitte la cour, mais on gagne 200 de politique. Ou les deux se barrent et on gagne 200 de chaque. Eh bien, pourquoi ils s'en iraient pas, hein? Comme ça, on gagne de tout. Portez tous les deux, ça dégage. Ça dégage, les cons. Ah, par contre, il n'y a personne d'intéressant. Et un nouveau le remplacera. Bah, visiblement, pas tout de suite. Si on vire tout le monde. Ça ne nous intéresse pas et ça ne nous intéresse pas. Qu'il faut attendre un mois, c'est ça? Ah voilà, là c'est actualisé, donc voilà. On a un nouveau gars, 3, ça nous intéresse plus. Et 3, productivité, parce que l'inflation, je pense que, ouais, l'inflation, il n'y a pas de problème. Donc plus 10% de productivité, c'est mieux. Rodrigo, le petit Rodrigo. Promouvoir. Ça augmente sa compétence de façon permanente de 1. C'est vrai ce mensonge? Admettons. Ah oui. Je croyais que 3 c'était le max. Eh ben super. On peut donc gagner beaucoup plus. Très intéressant ça. Une autre façon de dépenser notre pognon. Il nous sert à rien. Enfin, si, il nous sert, mais voilà quoi. Ça nous permettra d'avancer plus vite dans les technologies grâce à ça. État Pontifico. Non, on les repaye plus, le pape. On repaye plus le pape. C'est bon, on a compris. Hein. On a compris la leçon. L'influence du pape, c'est non. Notre armée est toujours pas arrivée. Non. Et eux, est-ce qu'ils se débrouillent? Parce que là, normalement, ils vont avoir l'aide. Voilà, ils ont l'aide de... Ça doit être le Mexique, c'est ça? Le Mexique vient de les aider. Donc là, ça va plus être le même tambouille. Hein. Toujours des espions français chez nous. Ils n'ont que ça à faire, visiblement. Et on a bientôt légitimé nos territoires maghrébins. Quoi ? Affronte l'armée ennemie qui est à côté. Voilà, nickel. Et on a légitimé un territoire. On peut le prendre, ça, pour nous. Est-ce que on le confie à une colonie ? C'est ça la question. Ça permettrait d'avoir plus de commerce. Et ça, ça m'étonne que ça soit pas dans le même continent. Ça, je peux le confier à une colonie, mais ça me semble vraiment bizarre. On
compagnie du Maghreb. Mais oui, mais les autres, je peux pas parce que les autres, j'ai créé les territoires, c'est ça? Je sais pas si c'est intéressant. Ça nous fera gagner un commerçant de plus, mais... Après, j'ai pas forcément la capacité gouvernementale d'accueillir tout ça, c'est pour ça. Sicile, on accepte la population sicilienne et toscane. Ça, on récupère du pognon. On va le faire. Je sais pas si ça influence sur ma capacité gouvernementale, ça. Que dalle. On va attendre la fin du mois, mais pour moi, que dalle. Ouais, bien que dalle. Mais il nous paye plus. Bon, on va se dire ok, tiers. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'il y a qui dans la guerre? Il y a aussi eux. Eux, tu peux concéder au Mexique. Visiblement, c'est le Mexique qui est le plus proche. Enfin, qui est... pour lequel le territoire appartient. Puissance des caravanes et efficacité commerciale augmentée. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Bon, là, c'est pas chez nous directement, donc ça nous intéresse beaucoup moins. Celui-là, je crois qu'il est intéressant. Ouais, c'est juste pour le commerce ici. C'est intéressant, mais moins pour nous. Celui-là, il est intéressant pour nous aussi, parce que pour le... Non, c'est pas celui-là. Si, modification de limite vassale pour le suzerain. On peut avoir 10% de plus, donc oui. Voilà. Comme ça, on aura encore plus de bateaux. Perte de stabilité, évidemment. C'est qu'une question de temps. Casus Belli, oui. Et il nous insulte. De toute façon, on s'occupera de Milan après, donc... l'influence des papes, oui. De la réforme. Et un peu de tout. Nickel, merci. Merci bien beaucoup. On va bientôt avoir fait ça. La guerre. La guerre, pour l'instant, c'est pas clair. Il faut qu'ils prennent ça. Bon, ils sont 30 000, quand même, donc ça devrait le faire. Nos armées, ici. Ah, eux, ils sont en train de mourir de faim. Allez, ici. À Luc. Luc, je suis ton père. En tout cas, ils sont 12 partout, donc ça sera bien. Est-ce qu'il y en a un où ils sont plus de cavaliers, non? Non. Oui, et on peut lever encore d'autres troupes. Ouais, vas-y, on lève une autre troupe. 12, mettons qu'on en fait 2. Donc il nous faut 24. Voilà, 24. Parce que j'ai une quête qui me dit qu'il faut avoir plein de tertios là. Plein de tertios de merde. Là. Plein d'idiots du village. C'était où? Je ne sais pas. En tout cas, Moluc, on n'a pas fini de découvrir tous les territoires. Je ne comprends absolument pas pourquoi je n'ai pas cette quête. Il me faut 60 tertios. Bon, si j'en refais 12. Comme ça, on se dit qu'on fait 3 armées. Voilà, comme ça, j'en ai 60. Et après, il faudrait faire des canons et des cavaliers. Les cavaliers, on n'aura besoin que de... 6. 2 par armée. Et le reste faudra des canons. Alors canon c'est magnifique mais ça va être chiant. Moi, j'aurais pu faire différemment pour les canons. J'aurais pu faire un groupe de 10 canons. Comme ça se construit tout seul. 10 canons. Et on fera après. Donc mes potes ils vont s'occuper tout seuls comme des grands de ça. Tunis et tout, je sais vraiment pas ce qu'on en fait. Voilà, ils ont pris les territoires ici, donc vous pouvez donner au Mexique. Voilà, toi tu donnes au Mexique et l'autre, toi tu vas donner à la Californie. Évidemment, on a besoin d'un diplomate, faut qu'il revienne, mais il revient ultra vite, donc c'est bon. Vas-y, c'est bon, comme ça notre Californie en réexiste vraiment. Parce que là, elle était vraiment en slip. Vu qu'ils étaient fait tout prendre par l'autre. On a légitimé, oui. Cela, on peut pas parce qu'il y a des missionnaires. On les déteste.
On les déteste, ces missionnaires. Ils nous foutent dans la merde. Là, Tunis, c'est qui contrôle pour l'instant? C'est supposé être moi? Comment je peux savoir? Tunis, c'est moi qui contrôle. C'est moi qui contrôle Tunis. J'hésite vraiment à améliorer le truc commercial. Hein. L'œuvre naturelle, non. Oui, ça on veut. On va passer en compagnie commerciale. Ah, ça sera vraiment plus worse. Je pense que oui. Hein. Je pense qu'il faut le faire. Hein. Après, est-ce qu'on convertit avant? On peut convertir avant. Ça, il y aura moins de problèmes. Donc là, c'est à côté de chez nous. C'est pas comme si c'était à l'autre bout du monde. Canu, Cano. Il veut vassaliser Cano, c'est non. Et là, une quête qui est accomplie directement parce qu'on a déjà ce qu'il faut. Et ben, une quête accomplie directement, c'est pas mal. Donc le reste, c'était de la merde. On a colonisé Maya. Maya à l'abeille. Eh ben bravo. Donne à une compagnie commerciale. Et on a... J'allais dire, on n'a pas les infos pour coloniser la suite, mais si. On a encore un peu d'infos. Mais il faudrait, faudrait une armée ici. Il faudrait une petite armée pour y aller en exploration. On a eux. Le problème, c'est qu'on n'a pas de bateau. On n'a pas de bateau dans le coin, donc il va nous falloir quelques petits bateaux pour déplacer ces gens-là. Voilà, 4 bateaux, ça devrait suffire. On n'a pas besoin d'une flotte énorme non plus. Ah non, c'est la Floride. Oh. Ils nous détestent, c'est pas grave. La flotte des Indes nous donne 700 balles. Bravo. C'est où ça? Truc de Malte. Ah, Malte. Oui. Ouais. Ouais, moins de score de guerre pour... Enfin, moins de score de guerre nécessaire pour affronter d'autres... des pays d'autres religions. Et faire des revendications. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le palais d'Ajaferia. Ajaferia, pardon. Qu'est-ce que ça permettrait? Pour le pays, plus de puissance pour les missionnaires, plus de résistance à la réforme, moins de coups de répression. Plus de puissance des missionnaires... C'est très bien. Vas-y. Vas-y. Tu dis combien Coco il paye? On va même... J'allais dire dépenser 500 000 hommes, mais... Enfin 50 000 hommes, mais ça fait beaucoup quand même. Et on finit de pop. Oui, tout à fait. Donc, tous à Tolède. On va commencer à répartir les groupes. Une révolte à Tunis. Il y a déjà une armée sur place, donc il n'y a pas de problème. Vas-y, vous êtes tous à Tolède, vous? Oui. Fusion, il y a. Ensuite. Donc, vous, ça dégage. Et les autres, on divise. Celles qui sont 18. Il m'en faut ça et il me faut un cavalier. Voilà. Donc là, il y a une armée de fête. Ensuite, vous, vous irez ici. Et vous, vous irez ici. Non. Vous. C'est pas bon. J'ai pas compté. J'ai pas compté, madame, c'est triste. Toi, tu vas laisser ton cavalier ici. Voilà. Ici. Il me faut celle-là. On divise en deux. Et vous, vous allez ici. Et vous, vous allez fusionner. Voilà, on a une armée de 12 et 12 de 10. C'est des armées comme ça qu'on veut. Et donc là, il nous manque juste les 10. Les 10 deux fois. Est-ce qu'on a le pognon? Oui. Voilà, comme ça, on va avoir deux armées de 24 en plus. Pour casser la gueule à du monde. Majbourg, c'est non. C'est non. Notre objectif, donc, ça sera Milan. La petite Milan. Est-ce qu'ils veulent bien nous aider? Oui, la République des Nations veut bien nous aider. Bah, ça sera beau. Le pape nous déteste. Ou c'est la guerre. À Valence. À Valence, c'est la guerre. Et si le pape me déteste, il va m'excommunier. Bah oui, il va m'excommunier. Déjà qu'il est pas loin. Tant pis. Ça sera révolte. Ça sera révolte, les gars.
On va te dire, est-ce qu'on n'envoie pas tout le monde comme des bourrins et puis on voit ce qui se passe? On va d'abord affronter la petite armée. On n'a pas de général, c'est pas grave. Ça pourrait être arrangé vite fait, ça. Un petit général. Vas-y. On va prendre un général quand même. Donc les rebelles sont parvenus à leur fin, mais évidemment, ils trichent. Vas-y, cassez-leur la gueule. Voilà, c'est bon. Donc vous, vous restez ici et les autres retournez en votre position. Vas-y. Donc, où est-ce qu'on en est? Oui, on réfléchissait si on devait donner Tunis et tout. Enfin, à une compagnie commerciale, donc pas vraiment donner. Je me comprends. C'est bon, ils rejoignent quand même, oui. Comme je les avais déplacés, je savais pas s'ils allaient vraiment rejoindre. Ah non, ils ont pas rejoint. C'est juste qu'ils se sont mis à l'endroit où ils devaient être avant. Donc, d'accord. On va se mettre sur les frontières françaises. Et on va pas tarder à rentrer en guerre avec Milan. Hein. Pour moi, il faut. Vous, il n'y a plus besoin de vos armées, vos généraux. Fernand Cortés va venir ici. Après, on a quand même fait beaucoup de trucs. On risque fortement d'avoir une coalition quand même. Parce que la France va pas être, va pas apprécier. Après, une coalition avec la France, s'il n'y a que la France, c'est pas grave. Vas-y, on va attaquer Milan. S'il nous faut des guerres. Parme, il y a une, y a un château. Parme, il n'y a pas de château. On va demander Parme en premier. On peut ou pas? Non. Parme ne fait pas partie des trucs qu'on peut prendre. Enfin, sur lequel on a une revendication légitime. Milan, il y a un bastion. À côté, on a le droit de passer ou pas? Il n'y a pas de château non plus. Ouais, mais c'est peut-être la capitale. Pourquoi la capitale là? Non, c'est Pavie. Est-ce que Crémone peut-être? Ouais, on va prendre Crémone. On va appeler la République des Donations à l'aide quand même. Pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème. Non, en fait, ça sert à rien. On va pas les appeler. Il y a l'Autriche à côté qui va nous aider. Il n'y a pas de soucis. Donc, vas-y, toi tu vas prendre Pavie, toi tu vas prendre ça, toi tu vas prendre ça, et toi tu vas prendre ça. Ils ont quand même des armées, hein. Sur le papier, j'avais l'impression qu'il y avait moins. On peut appeler notre allié, hein. Ça lui change rien, lui. Lui, ça lui change rien. Y a pas de côte, ils ont pas de côte du tout, donc ça sert à rien. Par contre, il faudrait prendre ça et ça pour le donner à l'Autriche. Pour qu'on avance dans nos quêtes. Oui. Colonie autosuffisante. J'aurais bien aimé laquelle... J'aurais bien aimé ne pas cliquer là où il fallait pas. Pour avoir l'info. Ça doit être probablement dans le coin ici, non? Ça, c'est autosuffisant, donc c'était peut-être ça. Ah, ou c'est une d'ici? Non. Ce ne sont pas celles-là. Bah, je ne sais pas, donc. Toi, tu vas prendre ça, toi, tu vas prendre ça, et toi, tu vas venir prendre ça bas. Voilà, comme ça, on prend tout. Qu'est-ce qu'il fait, là? Commandant nous a quittés. Évidemment, on est en guerre. Ça va, c'était pas un qui était sur le front, donc pas lui, m'en fous. Là, la Navarre ne peut pas accueillir 24 000 gars. D'accord. Ah bah super, on va défendre plus loin parce que si jamais il y a une armée ennemie qui est trop forte, j'ai pas envie de me faire goumer parce que j'ai oublié de préparer mes gens. Chontals veut un mariage. Lol, Chontals va plutôt prendre la guerre. Parce que le Mexique on a toujours besoin d'agrandir. Ils sont alliés avec eux? Ouais bah là c'est nickel. Si on déclare la guerre à eux. Ah par contre ils sont... Ah non ils sont tiers de l'indépendance donc il n'y a pas de problème. Vas-y. Ah, il y a une trêve.
On a une trêve avec eux. Ah. C'est bizarre que j'ai une trêve avec eux, mais... Eux, j'ai pas de trêve. Ils sont en guerre... Enfin, ils sont alliés avec deux gars. On va plutôt prendre Morand. Et attaquer lui. Voilà, comme ça on détruit une armée ennemie. Et après tu feras les trucs. La flotte des Indes, c'est super. Voilà, tu vas coloniser ça toi. On peut améliorer ça. Plus de commerce. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Ça on peut le déplacer, mais je crois que... Ah! On peut le déplacer à notre capitale pour en profiter nous plutôt que notre vassal. Allez, on va le déplacer à Madrid. Ça. On déplace un monument. Vite fait, bien fait. On prend une petite grue et puis, puis voilà quoi. Toi, on va prendre ça, le dernier pixel ici. L'autre en Amérique, ça se passe très bien. Les troupes ici milanaises commencent à arriver, donc on va envoyer nos gars. Ils servent à ça. Là, la colonisation se continue. On paye plus rien en colonisation, donc va falloir coloniser davantage pour payer plus cher, surtout pour coloniser plus vite, parce que là, si on paye pas, c'est-à-dire qu'on colonise pas beaucoup. La colonisation de base et c'est tout. Recherche. Ah, on peut faire notre recherche diplomatique. Donc, oui. En plus, on est en avance encore. Ça m'étonne, ça. Bah d'accord. Vas-y, plus de commerce. Toujours plus de commerce. Très bien, oui. Les prix évoluent. Ouais, ils veulent pas. Hein. Ils veulent vraiment pas. Ils veulent pas jouer. Ils veulent pas jouer avec nous. Donc oui, à droite, ça va être pris. Le tabac augmente aussi. Le tabac, il augmente pas mal de temps en plus, hein. Je crois que c'est pendant 200 ans, le prix du tabac augmente. Lol. Ouais, c'est pas... le siège de Milano, c'est fait. Le siège du Milano. Je sais pas si vous avez la ref. Vous savez ce que c'est le Milano. Pour les geeks. C'est dans les Gardiens de la Galaxie. C'est le nom. Du vaisseau. On peut améliorer ça, mais il n'y a pas des trucs qui sont chez moi. Ah oui, il y a Malte. Il y a Malte pour les religions différentes. Il n'y a pas autre chose. Il y avait ça pour le commerce, oui. Vas-y, on va prendre le commerce. On va prendre le truc commercial. Pour gagner encore plus de pognon. Par se voir qu'on veut la domination économique. Mais là, il y a encore un gars ici. Ouais, il y a lui, là. Il y a lui, là-bas. Pourquoi j'ai pas le droit d'y aller? Attends, il est où? Ah oui, il est ici. Oui, faut le prendre. Ça, c'est fini comme colonie, oui. On l'a déjà attribué au truc commercial. Et ça, c'est fini comme colonie aussi. On va l'attribuer. C'est où, ça? Ah oui, c'est toujours de côté des Indes néerlandaises. Donc oui, on veut coloniser plus de ça. En plus, c'est des trucs où il y a beaucoup de développement. Donc, c'est des trucs qui rapportent bien. Vas-y, fais des trucs pour les compagnies. Ah, on a affronté une troupe ennemie, visiblement. C'est pas chez le même ennemi, ça. Pas du tout chez le même ennemi. Ils essayent de se suicider à petit feu sur nos armées. Ben bravo. J'espère que le jeu va pas faire de la merde et que ça va pas être la Pologne qui va gagner ce territoire. Ça serait horrible. Là ils ont pris ça. Oui, c'était pour notre pote australien. Parce que l'Australie, ils avaient pas ce qu'il faut. On veut prendre la Nouvelle-Zélande avec l'Australie aussi. Pour avoir un pied à terre pour pouvoir attaquer les autres, pour pouvoir tout prendre. On peut pas légitimer. Qu'est-ce qui se passe? Plus de commercial ou plus de pognon d'un coup? Plus de commerce. Et on a fini le siège de Coni.
Pas d'accord. Eh bien d'accord. Il reste quoi donc? Il reste ces deux trucs là. Est-ce que toi tu peux pas aller ici pour prendre la place de l'autre? Fin du siège ici. On a bientôt fini la guerre du Mexique. La dernière guerre du Mexique. Enfin, notre dernière en tout cas. Tout de suite. on en refera encore. Tant qu'on n'a pas tout pris, c'est qu'il faut continuer. J'espère vraiment que ça va être nous qui allons l'avoir et pas le Portugal. Enfin, pas le Portugal. Pas la Pologne. Converti à la foi catholique, oui, vas-y. On s'en fout que vous soyez pas content, parce que de toute façon, compagnie commerciale et tout. Donc pas lui m'en fout. Est-ce que on est... ouais, on est toujours chef de la foi, hein. On est toujours défenseur de la foi, hein. C'est beau. On est à 100%. Est-ce qu'on ne prendrait pas avant? Si on donne Trent, on peut pas donner, on peut pas prendre Trent. Vu qu'ils sont pas encore capturés, ils veulent pas. Non, donc faut attendre de les capturer, parce qu'autrement ils vont jamais vouloir. 64%, ça marche pas. Oui. Les autres, là-bas. Bon, ils sont pas finis. Voilà, là, ils sont finis. Fin du siège. Toi... Ah, tu peux pas le transférer directement au Mexique. Des moments on a le droit, des moments on n'a pas le droit. C'est pas toujours clair. Ah, ça dépend peut-être du motif de guerre. J'avoue que pas fait gaffe. Jusqu'aux Indes orientales. Ah, ça y est, on a fini de découvrir Moluc. On n'avait pas fini de découvrir le Moluc. On sait pas pourquoi, mais d'accord. Donc on aura des revendications sur Luçon. Ça doit être les trucs des Philippines, ça, non? Ah oui, mais ça, il va jamais vouloir. Du con. Il doit être dans ces endroits-là, je pense. On va avoir des revendications partout ici. Revendication perpétuelle. Et donc là, Sisla, c'est pour avoir les Philippines, justement. Ok. Et donc là, on est revendication. Voilà, on a des revendications sur tous les gars qui sont ici. On pourra leur déclarer la guerre si on veut. J'ai 8000 balles. Ça va finir par se voir. Milan pourrait l'améliorer pour avoir plus de capacité gouvernementale et plus de gains de réforme. Mais ça nous coûtait 4550 balles. Oui. Le gros bourrin. Le truc du Brésil. Je crois qu'il est intéressant, le truc au sud du Brésil. Je crois qu'il est intéressant pour la colonisation. Voilà. Donc c'est pour la colonisation de notre vassal, mais admettons que ça sera utile pour nous. Lui, il veut bien prendre... Ah, ça on veut. Ça on veut l'intégrer. Et c'est tout. On a gagné de la capacité gouvernementale? Ah oui, un peu. On avait 1080. On a gagné un peu. L'un des deux sièges est fini, donc lui. Alors lui, l'objectif, c'est de le donner à lui, justement, à l'Autriche. Toi, t'es à l'Autriche et on te dit, on se dit que ça, c'est à l'Autriche. Voilà. Va céder à l'Autriche, il est super content, mais la coalition n'est pas contente. On peut pas lui dire de rétrocéder, non. On peut pas. Vas-y. Donc voilà, comme ça l'Autriche a l'un des deux territoires dont il a besoin pour pour notre quête. Yuin, colonie finie, oui. Donc comme ça, l'Australie est mieux. Par contre, ils sont en train de se faire casser la gueule. Non, c'est eux qui sont en train de casser la gueule. Très impressionnant. On peut pas vous donner un peu de pognon? On va vous donner 500 balles, et comme ça, on va se dire que ça va suffire pour qu'ils gagnent la guerre. Oui. Moins de coûts de construction, ça sera utile. Et... Il reste encore des territoires à coloniser partout. C'est terrible. Mais nous, il faut qu'on colonise les Philippines. Les Philippines, c'est censé être à nous, donc faisons en sorte que ça soit à nous. Par contre, pourquoi il me dit pas que je peux le donner à une compagnie? Ah non, c'est parce qu'il est pas encore arrivé. J'ai lundi. Donc ça, Itza, concède au Mexique. Notre diplomate n'est pas revenu. Voilà. Et fin du siège de Trient. Donc ça, c'est bon. Donc toi, vas-y. Ensuite. Il y en a un qui fait rien. Oui, lui, il fait rien. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'alliés, en fait, donc il n'y a pas besoin. On peut taxer le Pérou.
Le Pérou, il nous donne combien de taxes actuellement? Le Pérou, il doit nous donner que dalle. Hein. Pérou, 15% actuellement, ça fait quand même 1 balle. Allez, on va augmenter. On va augmenter de 5%. On augmente de 7, mais c'est pas grave. Ils savent pas compter. On va améliorer ça à Malte. Le monument de Malte. Et ici, donc Milan. Genève, on s'en fout. Trent. Trent, c'est nous qui l'avons. Mais on veut que ça soit à l'Autriche. Donc, Trent, c'est l'Autriche. C'est l'Autriche qui récupère Trent. Voilà. Donc comme ça, j'aurais fini ma quête où il y a la succession de l'Autriche. Donc, plus de réputation. Et il faut que je récupère assez de territoire dans Milan pour finir l'autre quête, pour pouvoir avoir les chemins des Espagnols. Genève. Ils sont où, eux? Bon, Genève, je pense qu'on s'en fout. Par contre, ici, nous, on veut ça. Mais est-ce que ça va suffire si on prend ça? Est-ce qu'il faut tout ou pas? Toutes les provinces. Ah. On peut pas le vassaliser. Non, on peut pas le vassaliser. On peut faire ça, comme ça on le bloque en deux morceaux et il est dans la merde. Par contre, tout le monde va nous détester. Bon, ça c'est pas grave, tout le monde nous déteste déjà. Vas-y. C'est quelle culture? La culture lombarde. Est-ce qu'on peut l'accepter, la culture lombarde? Gagner du temps. La culture lombarde, visiblement non. On n'a rien de la culture lombarde actuellement en territoire légitimé. Donc on ne peut pas accepter la culture lombarde, pardon. Vas-y, le plus cher. Voilà, ça coûte si cher. Heureusement qu'on avait ce qu'il fallait. Donc oui, et l'autre guerre. Ah, il peut pas donner tout seul. Non, il veut pas donner au Mexique. Il donne à nous et puis nous on donne au Mexique. Voilà. Voilà qui est fait. La conquête du Québec. Il arrive avec ses conquêtes ou pas? Pour l'instant, personne nous dit Arthur, c'est la guerre. Pour l'instant, tout le monde s'en fout. Personne ne rejoint la coalition. Pour l'instant, ça aurait tardé. Plus instabilité, oui. Et donc notre quête, on peut faire en sorte... déjà, on va prendre des territoires à nos gens. Et quête menée à bien, donc la succession d'Autriche. On est super content. L'Autriche, ça va mieux. Et voilà. Ah, ça y est, ils rejoignent une coalition. Donc ça y est, la France et tout, coalition. Ça m'étonnait aussi. Ça aurait été bien de grouper les demandes pour faire moins de spam. Mais bon, on peut pas tout avoir. Vas-y, va ici, toi. Tu as un joui. Bah, tout le monde va rejoindre une coalition, hein. Tout le Saint-Empire romain germanique, comme d'hab. Le pape aussi, tiens. C'est rigolo. Vas-y, plus de... On va retirer des hommes. Ça, c'est pas grave. Une colonie a été faite. Oui, ici, c'est pour notre vassal. Donc ça, c'est bon. On va faire celui-là pour rejoindre l'autre. Pour rejoindre les deux bouts. Mais c'est bon. Le pape m'a excommunié ou pas encore? Une question de temps, à mon avis. Hein. Essayons d'améliorer la relation qu'il a avec nous. Ouais, on pourra gagner que 20. Pas certain que ça nous donne grand-chose. Est-ce qu'on ne lui ferait pas un don? Il est un peu insensible, hein, le pape. Ça changera rien de faire un 20. On va attendre, et s'il nous excommunie, on lui paiera grassement pour qu'on soit plus excommunié. Y a pas d'autre choix. Donc tout le monde rejoint des coalitions contre nous, c'est super. Tout le monde veut notre peau. Donc il va falloir les calmer en s'occupant des problèmes en Amérique, probablement. Oui, tout le monde rejoint la coalition, je sais. Différent commercial, oui, si vous voulez. Début de la production, oui. Oui, Clève, tout. Flotte des Indes nous donne du pognon. Ça, c'est bien. Là, c'est converti. On va le donner à une compagnie. On va le donner à une compagnie. Dès que la conversion religieuse est faite, on peut...
Alors là, on a dit que c'était où, lui? Lui, c'est pas la même région commerciale, c'est celle du Maroc. Et c'est des terres algériennes. On n'accepte pas encore la culture algérienne. Est-ce que ça me permettrait de avoir un petit gars là? Probablement. D'avoir un marchand. Un marchand, évidemment. Un marchand de plus. Parce que la compagnie. Ouais, il y a une compagnie au Maghreb, donc. Pour le nœud de sa fille. Pourrait être intéressant. Flotte des Indes, oui. Est-ce qu'on peut améliorer les trucs ici? Voilà, ici pareil. Voilà, comme ça c'est fait. On peut améliorer pour avoir plus de chances d'avoir le gars, mais ça fait de l'inflation. Les Moluques, 73, 77 balles, hein, ça vaut cher les Moluques. Hein. Les Mollusques, ça vaut cher. Pas du tout. Allez, ça on va construire à balles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des constructions. Voilà, nickel. Je suppose que j'ai encore fait les constructions quand je n'avais pas le truc. Non. Non, ça va. J'avais bien la réduction, donc ça va. La contre-réforme, bof. Statut d'appel. Ça m'intéresse pas non plus non, grandement. Hein. On va rester comme on est, c'est très bien. Qu'est-ce qui se passe là? On a un conseil de régence maintenant. Nos choix diplomatiques resteront limités. Parce que l'autre, il est trop jeune et l'impératrice, elle a décidé de mourir à 36 ans. La poisse continue. Par contre là, ouais. Puissance militaire, on est bientôt au max. Donc voilà quoi. On va en dépenser un peu pour améliorer nos réserves et tout. Et notre limite de gens va être pas mal. Voilà. Dépenser un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est content. Oui, ça colonise. Oui, la Floride a déclaré la guerre. Et Venise a rejoint la coalition. C'était la Floride ou c'était la Louisiane? C'était la Floride. Super. Et nous, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eux, ils sont alliés ensemble ou pas? Non, ils sont alliés avec l'autre. Et lui? Lui, il est allié avec l'autre. Donc lui, il est allié avec les deux. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce qu'on a le droit de déclarer la guerre? On a un conseil de régence, donc on n'a pas le droit de déclarer les guerres. C'est bien, la Bohème a rejoint une coalition contre nous, et il y a une révolte marocaine. Pas tout à voir. Ils vont avoir le temps de prendre le territoire? Non. On a eu du bol. La Savoie rejoint la coalition contre nous. Oui, visiblement tout le monde veut notre peau. Terrible. La surexpansion, ouais, ça va bientôt dégager, donc c'est bon. Révolte en Angleterre, c'est pas notre problème, c'est le problème de notre vassal anglais qui ne sert à rien d'ailleurs. Hein. Notre vassal anglais ne nous a jamais aidé sur le combat parce qu'il reste sur son île et il la quitte jamais. C'est ça qui est magnifique. Oui, puissance diplomatique plutôt. Flotte des Indes, oui. J'allais dire, on veut déclarer une guerre, mais on peut pas, donc non. Non, non, on gagne du pognon. J'ai vu qu'à Madrid on pouvait améliorer. À Madrid on peut. Ah bah oui, parce qu'on a récupéré le bâtiment qui permet de mettre plus de cultures en avant et de faire en sorte que les coûts de construction coûtent moins cher pour les cultures principales. Chonta veut s'allier, c'est non. C'est juste non. Ici, oui. Les églises. Est-ce qu'on peut en faire chez nous qui rapporterait quelque chose? Pas vraiment très clair, mais. Mais d'accord. Oui. Mais ça ne suffit pas. Ça change tout. On a un bonus de 10% de puissance commerciale jusqu'à la fin de la partie. Parce qu'on a, eu le commerce mondial. On a réussi. On a eu le truc de commerce mondial, donc à Séville probablement. Et donc on est en avance sur la prochaine institution. C'est nous qui l'avons fait. Le 1er janvier, donc c'est bon. C'est nickel. C'est nous les Tchad. Donc on a la nouvelle institution qui va commencer à se propager depuis ici. C'est pas depuis l'autre. Hein?
Pourquoi ça se propage au monde entier en 2 secondes? Surprenant. En tout cas, bravo. Donc est-ce qu'on ferait pas en sorte que ça se propage mieux? Ah non, il me dit, édit coûteux, ça sert à rien, Jackie. Comment ça, ça sert à rien? Ça peut pas se propager? Le Pérou a des problèmes, le prix des céréales a augmenté, c'est la merde. Bah non, mais voilà, ça se propage. Il me dit des conneries, lui. Par contre, ça va se propager de proche en proche, on est d'accord? Là, le truc de propagation était un peu faux. Un peu beaucoup faux. Puissance commerciale ici. Ah oui, non. Propagation. Il va me dire que ça sert à rien? Non. On va voir. Flotte des Indes, encore plus de pognon. Toujours plus de pognon. J'aime le pognon. Qu'est-ce qu'il y a? De l'agitation partout? Ou plus d'autonomie partout? Guerre d'acclamation portugaise. Les Portugais sont pas contents. Donc soit je fais ça et il y a un problème, on révolte. Soit je fais ça et il n'y a plus de pognon. Et bah on va faire en sorte qu'il y ait une révolte et puis on va approcher nos troupes pour s'en occuper. Notre petite troupe ici. Notre force de garde du pays. C'est quoi ces bateaux? Ah oui, c'était les bateaux qu'on avait fait pour déplacer la troupe ici. Pour avoir moins de problèmes. On va prendre de l'inflation plutôt que de changer les droits de douane. Et toi, vas-y. Enfin, je sais pas ce que ça fait. Pour moi, c'est mal traduit, donc je sais pas. Donc toi, tu vas venir ici, et toi, tu vas venir ici. Ça va être super. Vendre des terres aux bourgeois va être confié. Il donne rien. Ou on prend de la corruption, on perd de l'argent. On va prendre de la corruption, tant pis. Ça, c'est le problème du fait d'être une régence de la bourgeoisie. Ça nous fout dans la merde. Je sais pas à partir de quel âge il peut prendre le trône. Et toi, on va te promouvoir. Comme ça, tu vas nous donner un peu plus de compétences. On a la trêve avec le Maroc. Pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop de leur déclarer la guerre. Ils ont rejoint une coalition, évidemment. Est-ce que j'ai le droit à... J'ai le droit à 8 généraux maintenant. Donc je vais prendre un conquistador de plus. Et je vais la signer à ce gars-là. Et on va essayer de lui faire explorer. Il veut pas explorer en automatique. C'est terrible. Donc on va essayer d'explorer en manuel. Hein. C'est tout. La surexpansion, c'est bientôt dégagé. Les malus de surexpansion. On a assez d'influence papale pour prendre une décision. Légitimité, relations, on s'en fout. On va prendre du commerce encore. Genre plus de commerce. Et on peut améliorer des trucs. Est-ce qu'il y en a qui sont chers chez nous? Non mais mets-nous sur le bon icône quand même. Histoire qu'on puisse comprendre quelque chose à ce qu'on fait. Visiblement, non, il n'y a rien chez nous. Ici, il y a plus de puissance commerciale. Vas-y, on va faire celui-là. Ouais, non, en fait, je pense que ça sera une connerie. On va plutôt faire ça. On n'a pas le truc des bourgeois. Non. Non, 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 c'est bon. On va plutôt faire des manufactures partout. Bien sûr, fais celle qui rapporte le moins d'argent. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Ça, ça coûte très cher, mais ça va vous permettre de gagner beaucoup de pognon. Encore en plus. Encore plus qu'avant. Toujours plus. On a légitimé les régions... italienne. Donc là, ça devrait être pas mal. Est-ce qu'on peut accepter la culture italienne? Que dalle. Tant qu'on n'a pas pris les territoires pour nous, c'est non. Ça, c'est fini. Oui. Rejoins le truc. Et toi, colonise ici. Mariage royal avec eux, c'est non. Provoque les états. Oui. Eux, ils veulent un bâtiment d'entraînement ici. Eux, ils veulent que Naples soit converti. En cours ou pas? Pour réformer. Je le déteste. Ouais, mais non, parce qu'on est en train de faire une construction, donc il faut attendre que la construction soit finie pour faire ça. On va plutôt faire un petit terrain d'entraînement à Séville. Hein.
Petit terrain d'entraînement, voilà, petit terrain d'entraînement, tout le monde est content, c'est fait en 10 mois, et puis voilà. C'est beaucoup mieux. Faut attendre que notre régence soit finie. C'est horrible, la régence. C'est horrible. Après, ça veut dire nouvelle personnalité. Quand on sera majeur. On sera majeur à 15 ans ? C'est bizarre comme date. On a récupéré un marchand. Est-ce que c'est parce que ça, c'est... Non. Que dalle. Ça, on peut le donner à une compagnie commerciale. Et ça... Ça, au rang, ça va être converti, donc on verra après. On a un marchand de plus. Donc on a dit qu'on voulait Moluc. On voulait transférer l'argent de Moluc. Transférons l'argent de Moluc juste à côté pour le pognon. Pour gagner plus encore. Flotte des Indes, 700 balles. C'est très bien. On convertit toujours plus. L'ère des réformes sera bientôt finie. On va bientôt changer d'air. Ça tombe bien, on venait tenir les trucs. Lol. Là, ça finit d'être colonisé ici. Donc l'Australie a un territoire en plus. On va lui donner un autre encore. L'industrie du parfum. Pour la Corée. Attends de regarder s'il y a moyen de déclarer la guerre au Japon, tout comme ça. Vas-y, non, on a dit que non. On a dit que ça n'était pas rentable. On va faire des manufactures. Là, ça sera plus rentable. Pour l'instant, tout du moins. Alors, faudra redéclarer une guerre à Milan après. C'est chiant ça. Oui, ça c'était fait, donc eux ils deviennent un petit peu plus gros. On va essayer de coloniser toutes les côtes pour empêcher les autres de coloniser. Normalement, on a les traités qui font que c'est à nous, mais il n'est pas à l'abri d'un gars qui se dit bah pourquoi pas. Du genre la Hollande, qui est toujours là, on sait pas pourquoi. On peut toujours pas déclarer la guerre parce qu'on est en régence avec l'autre con. La Corse veut un mariage. Vas-y. On peut pas encore l'annexer. Il faudrait annexer la Corse, mais il faudrait annexer aussi la Florence. Est-ce qu'on les annexe tout de suite? Je pense que ça sert à rien de l'annexer actuellement. Vu qu'on n'a pas assez de capacité gouvernementale pour déjà ce qu'on a actuellement, donc je pense que ça sera juste du gaspillage. Ce sera une perte brute. Florence veut qu'on partage les connaissances. Quoi ? Ah non, c'est eux. Et eux, ils l'ont déjà adopté, le truc. Eh ben, bravo. Vas-y, on va accepter. On a trop de pognon. Donc ça, c'est bon, et ça, c'est bon. Donc les deux ont été donnés à des gens. Donc c'est nickel. On va continuer de coloniser ici les frontières. Pour empêcher les gens de le faire. Et on va on va explorer avec lui aussi. Et j'aimerais bien coloniser plus de trucs. Donc toi, colonise ici aussi. Toi, tu colonises ça. Et tu vas coloniser un autre truc. Si on colonise toutes les petites îles. On va coloniser ça. Hein. Toi. Tu vas aller à côté pour coloniser ça. Et lui, il n'est pas encore arrivé, mais on aimerait bien qu'il colonise aussi juste à côté. Allez, mercantilisme. Tu vas te rappeler et tu vas coloniser ici. Parce que là, c'est ça qu'a jonction. Quoique, ici, il y a déjà jonction. Bon. C'est bon quand même. La Californie, il faudrait vraiment que ça se développe. Ça y est, on a un nouvel empereur. On a Carlos, enfin. On n'est plus dans une régence nulle. On peut rejouer au jeu. C'est beau. Est-ce que les mariages République de Nations, on veut un mariage. Voilà, comme ça on a Jadwiga, notre impératrice consort. Ensuite. Laurence et tout, non. Donc ça c'est bien. On a récupéré quelqu'un, donc on va pouvoir redéclarer des guerres. Parce qu'on avait des guerres de prévu. Est-ce que le Pérou a toujours besoin de nous? Je crois pas, hein. Le Pérou, c'est quelle couleur? Ouais, c'est bleu-gris.
Et bleu-gris, non, ils ont l'air d'être bons. Ils ont plus de révolte. Donc ils ont stabilisé la situation de leur pays. Bravo. L'Angleterre commence à coloniser le Brésil. Casse-couille, man. Je crois qu'il va finir par... Il va falloir finir par l'intégrer, l'autre, là. L'anglais. Mais le problème, c'est que c'est toujours le même problème. Si on les intègre, on n'aura pas le... On n'aura jamais de quoi les prendre. On n'aura jamais de quoi intégrer les territoires à notre pays. En capacité de gouvernance, pardon. Il a déjà un premier malus. Réputation diplomatique moins 1, déjà. Il commence très bien. T'es vraiment un champion, Carlos. Moins de conscience coloniale. Non. Colonise. Colonise à balle. Colonise deux fois plus que tu voudrais. On peut rien lui demander, en plus, à cet idiot d'anglais. On peut pas du tout lui demander de nous donner des territoires. Même ici, il va dire, pas lui m'en fout. Je peux lui accorder des provinces, mais lui, je peux pas lui en voler. Lui détourner des revenus, si je veux, mais pas m'avancer à grand chose. Bah tant pis. Donc, un soulèvement de la noblesse ici. Ah bah non, on veut pas de soulèvement là-bas. Hein. Ouais, puissance diplomatique, c'est très bien. Déclare la guerre à la... La Colombie a déclaré la guerre à la Colombie anglaise. Ah bah d'accord, je savais pas qu'ils pouvaient déclarer la guerre aux vassaux de mes vassaux. Bah tant mieux, hein, s'ils peuvent se prendre les territoires et si ça m'arrange. Si ça vient les miens, pourquoi pas. Pourquoi pas tant que ça va dans le bon sens. De la puissance administrative, oui. Et je pense qu'on va déclarer la guerre à eux. Hein. Prendre Xiata, machin. Ils sont d'une coalition, eux, les Aztèques. Ouais, pas lui m'en fout. D'accord. D'accord que c'est pas lui m'en fout, tout ça. Oula. Mais ils sont nombreux. En fait, là, ça fait une guerre pour tout le monde. Ah ouais, ça fait une guerre pour tous. Ouais, donc là, ils sont nombreux. Parce que oui, l'Aztèque, il avait vassalisé les autres, ça devait être pour ça. La colonie de Samar est finie. Donc ça c'est bien, ça on va le donner. Et toi ça on va le donner. Et tu reviens. Pas perdre de stabilité encore. C'est bon, on a déjà donné. On va continuer de coloniser ici. Hein. Les Philippines doivent être à nous. Compagnie des Indes qui nous ralasse. Fin du siège. Oui. Je l'ai dit, pour l'instant on fait les malins, mais ils sont plus puissants que nous actuellement. Enfin, sur le territoire. Là, il y a les 26 000 qui vont arriver, ça va faire du bien. Mais bon. Après, normalement, on a l'avantage technologique. Hein. 14, cela dit, en technologie militaire. Hein. Nous, on est à 16. On n'a pas une si grosse avance que ça. Combien ça nous coûterait de prendre l'institution? On n'a pas encore assez d'institutions chez nous. Pour pouvoir le prendre gratuitement. Terrible. On va tous se réunir ici et on va attaquer la révolte portugaise. Voilà. Ça c'était prévu. On savait qu'elle allait éclater parce que les Portugais étaient pas contents. Ils faisaient la gueule. Les rebelles sont parvenus à leur fin. Comment ça? Les Bermudes. Les Bermuda. C'est où? Oh, casse-couille man, le grand. Casse-couille man, le grand, toi, vas-y, tu vas venir faire un peu de voyage jusqu'ici pour casser la gueule à cette révolte de merde. Tiens, est-ce que l'Autriche, ça pourrait être intéressant? Tiens, ça, on va leur faire pour avoir un diplomate de plus. Comme ça, ils pourront peut-être devenir empereur. En tant qu'empereur et vassal, ça devrait être pas mal. En tout cas, les autres, ça se passe bien. Hein. Notre Colombie est en train d'exploser la Colombie anglaise. Ça nous arrange. Cela dit, est-ce qu'on peut pas... Oula! Mais t'es complètement... Mais t'es nul, toi!
Oh, Nullard le Grand. Il est en train de tout perdre contre ces guerres nulles. Contre les Amérindiens. Le bras cassé. Plus de portée coloniale, plus de portée commerciale et des navires marchands. Et les entrepôts commerciaux. Est-ce qu'on n'attendrait pas un petit peu pour avoir l'institution? Même s'il va falloir économiser et je ne sais pas la capacité qu'on aura, 1600. Ça peut se faire. Vous? Pareil que les autres, vous allez tout prendre. Voilà. Aider. C'est bon, ils vont s'en occuper. Ah non, ils perdent. Bravo. Non, je peux pas. Je peux pas les attaquer. J'ai pas la... Je sais pas comment il a fait l'autre, parce que l'autre il a réussi, mais moi je peux pas. Bon bah tant pis, hein. Si on peut pas, on peut pas, hein. Fin du siège de Xu. Là, maintenant tu vas bien les attaquer. Fin de la conversion, oui. T'es content. On va économiser notre pognon parce qu'on aura besoin pour l'institution. Voilà, on a cassé la gueule à l'armée ennemie. Moins de problèmes. Moins de problèmes. Elle est où notre deuxième armée? Elle est ici, c'est pour ça. Et vous, le petit conquistador là qui veut pas explorer en mode automatique. Explore-moi tout ça. On a un nouveau fils qui s'appelle Carlos. Comme notre personnage. Bah non, ça sera Felipe. Histoire qu'on s'y repère un petit peu plus. Toi, tu vas te réparer un petit peu avant de reprendre la mer avec l'armée. Occupation, oui, oui, on sait. On est où, là? Oui, moins de corruption et moins d'intérêt, moins d'inflation aussi. Moins de tout. Comment ça, c'est l'anglais qui possède ça? C'est moi, oui. Terrible. Terrible anglais. Ils sont 23 000 ici, hein. Les Aztèques, ils sont là, hein. Ils sont présents, hein. Bon. Ça va rien faire, mais ils sont là, hein. Ils sont là, les gars. Oh. Maudits anglais. Je vous le dis, maudits anglais. Vivement qu'ils se fassent goumer ici, hein. Qu'on récupère la Colombie pour nous. Offre de paix, non. Flotte des Indes, oui. Et l'institution, elle est assez développée, mais pas encore, hein. Ça n'avance pas, hein. T'as dit, je vois beaucoup de trucs qui sont à 80... Ah non. C'est pas du tout, à ce qu'il faut. Ils viennent de la puissance diplomatique, mais cela dit, on est bientôt capé. Ça se propage ou pas? Ça se propage un petit peu à Séville et tout. Plus en Italie. C'est dingue. Pourtant, c'est nous, le berceau. N'importe quoi. On a pris une autre ville de ces gars-là. Les Aztèques, non. On n'a pas fait encore assez de score de guerre. Et Cocon. Cocon le con. Il veut pas. Il veut pas encore capituler. On va finir sur cette guerre-là. Flotte des Indes nous rapporte encore du pognon. C'est magnifique. On s'arrêtera là pour aujourd'hui avec cette guerre. Les institutions, c'est bientôt... bientôt capacité maximale. Oui, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de dépenser encore tant que j'ai pas ça. Là, ça nous permettrait d'économiser beaucoup. Après, je peux essayer d'augmenter la propagation en mettant des compagnies, mais enfin des décrets. Mais c'est chiant, les décrets. Après, faut les supprimer. Vas-y, on va faire ça. Oran s'est converti, donc Oran, on peut le donner à notre groupe, notre compagnie commerciale. On n'a pas encore ce qu'il faut. À droite, ça a été complètement pris, ça. Donc voilà, là, ils veulent bien. Ils veulent bien rejoindre le Mexique. Bravo. Par contre, les autres, ça va être plus compliqué. Parce que, oui, les autres, ils peuvent pas participer.
Donc faudra demander à eux de tout donner, mais ils vont pas pouvoir tout donner en une guerre. Hein. À mon avis, ils vendront pas. Ils veulent même pas déjà. Il leur manque un territoire, donc c'est pour ça qu'ils voulaient pas. Et là, ils veulent bien. Et nous donnent 17 balles en plus. Et comme ça, ils ont plus de côte. Ça, c'est bien. Ensuite, vous. On cède au Mexique. Oui, mais faut concéder le reste aussi, les gars. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, c'est bien. Le Mexique est presque entier maintenant. Croyez-moi, mais vrai. Faudra s'occuper de la Louisiane et de des autres territoires. Ah, les Aztèques existent encore, mais les autres non, donc il y a eu une petite révolte. Pas super. Comment ça se passe? Ah, ma Colombie a annexé la Colombie anglaise. Bravo. Donc on a conquérir les Mayas que t'es fait. Pendant 25 ans, on a des bonus. Ouais, de toute façon... De toute façon, voilà. Par contre, il manque les Aztèques. Pour avoir, pas mal de bonus. Avoir pas mal de trucs. On peut prendre des terres. Ah, on commence à avoir des bonus intéressants, là. D'ailleurs, est-ce que la... Non, l'absolutisme, c'est pas encore. On n'est pas encore au bon air pour ça. Et les institutions, toujours pas. Toujours pas assez propagées. Le Saint-Empire romain germanique, c'est toujours la bohème. Père des commandants. Ça s'est développé. Parce que ici, ils viennent de l'avoir. Ici, ils sont à 27, 52, 18, 46, 89. Salé va bientôt l'être. Il va bientôt être salé. Lol. Puissance diplomatique. Il est bientôt capé, c'est horrible. Voilà. Ça, on n'est pas bientôt capé. On va pouvoir attendre un petit peu. Pour l'institution, on a 13 000 balles. On devrait avoir le pognon pour le faire. Novare a été converti. C'était où la révolte? C'était ici. C'est la Florence. On lui m'en fout. Alors. Toujours pas. Toujours pas assez. Avec 6 provinces pour l'instant. Toujours que 6. La salée, ça devrait bientôt. On peut. Ça nous va coûter 5600 balles. Eh bien oui. Voilà, comme ça on a un marchand de plus. Tout est au bon truc. Est-ce qu'on pourra faire le prochain? Non. On pourra pas. Il va falloir arrêter nos édits. On a mis pour ça. On peut pas encore. Donc voilà. Et surtout, il va falloir prendre les recherches. On va prendre les trois. Donc celui-là va nous donner plus de capacité de gouvernance. Donc on va pouvoir avoir un plus gros état et de l'efficacité administrative. Donc plus de territoire encore. Et l'université. Donc ça c'est cool. Oui, pour avoir plus de bâtiments. Enfin, que ça coûte moins cher de développer. Le navire marchand, on prend aussi. Comme ça on va pouvoir avoir des entrepôts commerciaux qui vont donner augmenter davantage la puissance commerciale du lieu. Et on va augmenter le ravitaillement maximal. Et voilà, on a pris toute notre technologie. Et là, on va pouvoir enfin intégrer les territoires napolitains. Pardon. Voilà, on les avait pas encore. Malte et tout, c'est bon. Ici, ça, on a dit que non, parce que Tunis, on va le donner. On va le donner à nos vassaux. Enfin, on va donner à la compagnie commerciale. La Lombardie. La Lombardie, on prend. Bah, ok. Donc là, maintenant, il nous reste quoi? Nous cesse ça, ça et ça. Bah les deux, on les donnera à notre compagnie commerciale. Donc pour l'instant, non. On est combien? On est comment? Ouais, on a que 80 de marge. Donc on peut pas annexer trop de gens. On pourrait annexer la Florence. Florence, cela dit. On va essayer d'améliorer. Non, on va leur faire un don, tout simplement. Ah d'accord. On est à ce point-là. Il nous faut combien? Il nous faut 4. 4 de relations. Voilà, 5. Pour être sûr que ça va avec la perte, qu'on va voir si le temps passe. 27 novembre, on va pouvoir commencer l'annexion de Florence. Est-ce qu'on peut annexer en même temps Ouais, non, ça va peut-être plus compliqué d'annexer la Corse en même temps. Les ducats, non, sans diplomatique. Et il y en a qui veulent qu'on partage. Vas-y, on partage.
On a un commerçant de plus grâce à notre avancée dans les institutions et on a de nouvelles décisions. Donc plus un marchand et plus 5% de puissance commerciale totale parce qu'on a une compagnie des Indes orientales. Donc nickel. On prend. Statut d'appel toujours pas. Établir des écoles dominicales. Oui, plus 1 de puissance de missionnaire. Gratuit. Donc oui, on prend ces deux trucs là. Donc on a deux commerçants à affecter. C'est beau. Les Philippines. Évidemment, les Philippines, ça va où? Ça va où le commerce des Philippines? Attends. Il va ici, qui va ici. Donc c'est bon. Donc les Philippines, on peut mettre un gars pour transférer. Ça, c'est bon. Ensuite, Tambouctou, non. Alexandrie, bon, c'est un peu trop loin. Le triangle polynésien. Ouais, pas convaincu. Pas convaincu. L'œuvre du Mississippi, pourquoi pas. Champagne, on récupérerait rien. Rio de Plata. Plata ou Plomo. Rio de Plata, ça peut être intéressant. Un petit peu. Il y a d'autres. La baie de Hudson et tout, il n'y a plus de pognon, les gars. Et le Siam, on n'a pas assez d'influence, donc ça serait pas assez intéressant. Rio de Plata. Plata ou Plomo. Et comme ça, on sera bien. On peut augmenter notre havre commercial ici, à Naples. Bien oui. On peut même l'améliorer deux fois. Comme ça, il y a encore plus de commerce pour la région de Gênes. Ça, c'est beau. Caraga, oui, plus d'habitants. Les trucs, on peut améliorer Grenade encore. Ce qui nous augmenterait... quoi? Ça va rebaisser encore l'aspiration à liberté et ça va augmenter l'efficacité commerciale. Donc ça, c'est très bien. Vas-y, ça coûte très cher, mais c'est très bien. Vas-y, on va améliorer ça aussi. J'en ai marre, y'a mal à barre. Et comme dit moi, on va s'arrêter là-dessus. Hein, pour cette fois. La prochaine fois, on essaiera de finir Milan. Et puis, on sera pas loin de la fin de la game. Donc, on va s'arrêter là. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée. On se voit demain matin à 10h pour Satisfactory. Et lundi à 14h pour Heart of Iron 4. Et lundi à 17h pour Crusader Kings 3. Je pense que le repas, on continuera lundi matin à 10h. Donc voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit, un bon week-end. Et à la prochaine. Des bisous. Bye. À plus.